Il tuera son père. Il épousera sa mère. Pour déjouer cet oracle d'Apollon, Jocaste, reine de Thèbes, abandonne son fils, les pieds troués et liés sur la montagne. Un berger de Corinthe trouve le nourrisson et le porte à Polybe. Polybe et Mérope, roi et reine de Corinthe, se lamentaient d'une couche stérile. L'enfant, respecté des ours et des louves, Édipe ou pieds percés, leur tombe du ciel. Il l'adopte. Jeune homme, Édipe interroge l'oracle de Delphes. Le dieu parle. Tu assassineras ton père et tu épouseras ta mère. Donc il faut fuir Polybe et Mérope. La crainte du parricide et de l'inceste le jette vers son destin. Regarde, spectateur, remontez à bloc, de telle sorte que le ressort se déroule avec lenteur tout le long d'une vie humaine, une des plus parfaites machines construites par les dieux infernaux pour l'anéantissement mathématique d'un mortel. Ils dansent toute la nuit. Ils peuvent pas dormir, alors ils dansent. Ah, c'est égal. Ils saoulent, ils font l'amour, et ils passent la nuit dans les boîtes pendant que je me promène de long en large avec toi. Eh bien, moi, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est simple, c'est clair, j'en peux plus. Déserte. Non. Non, ma décision est prise. Je vais m'inscrire pour aller au Sphinx. Pourquoi faire? Mais comment pourquoi faire? Mais pour faire quelque chose. Pour en finir avec cet énervement, cette inaction. Et la frousse. Mais quelle frousse? La frousse, quoi. La frousse. J'en ai vu de plus malin que toi et plus solide qu'il avait. La frousse. À moins que monsieur veuille abattre le sphinx et gagner le gros lot. Et pourquoi pas, après tout? Le seul rescapé du sphinx est devenu idiot, soit. Mais si ce qu'il radote était vrai, suppose qu'il s'agit d'une devinette. Suppose que je la devine et suppose que... Ma pauvre petite vache, est-ce que tu te rends compte que des centaines et des centaines de types qui ont été au stade et à l'école et tout, qui ont laissé leur peau? Et tu voudrais, toi, pauvre petit soldat de deuxième classe... J'irai! J'irai parce que je ne peux plus compter les pierres de ce mur et entendre cette musique et voir ta vilaine gueule. Bravo, héros. Je l'attendais, cette crise de nerfs. Je la trouve plus sympathique. Allons, 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 ne pleurons plus. Calmons-nous, là, là. Je te déteste. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien entendu? Non, où? Ah, il me semblait. J'avais cru. Tu es vert! Qu'est-ce que tu as, tu tournes de l'œil? C'est stupide. Il m'avait semblé entendre un coup. Ah. Je croyais que c'était lui. Le sphinx? Non, lui, le spectre. Bah, le fantôme, quoi. Le fantôme? Notre cher fantôme de la Luce? Et c'est ça qui te retourne les tripes? Par exemple? Excuse-moi. T'excuser, mon pauvre bleu, t'es pas fou, non? D'abord, il y a des chances pour qu'il s'amène plus après l'histoire d'hier, le fantôme. Et d'une. Ensuite, de quoi veux-tu que je t'excuse? Hein? Un peu de franchise. Ce fantôme, il nous a guère fait peur. Si peut-être la première fois, mais après. Hein? C'est un brave homme de fantôme. Presque un camarade. Une distraction. Alors, si l'idée de fantôme te fait sauter en l'air, c'est que tu as cran. Comme moi. Ouais. Comme tout le monde, riche ou pauvre, à Thèbes. Sauf quelques grosses légumes qui profitent de tout. La guerre, c'est déjà pas drôle, mais tu crois que c'est un sport de se battre contre un ennemi qu'on ne connaît pas? On commence à en avoir soupé des oracles, des joyeuses victimes et des mères admirables. Dis donc. Ouais. Comment crois-tu qu'il est, le sphinx? Laisse donc le sphinx tranquille. Si je savais comment il est, je serais pas là pour le dire. Bah, y en a qui prétendent qu'il n'est pas plus gros qu'un lièvre et qu'il est craintif.
et qu'il a une toute petite tête de femme. Moi, je crois qu'il a une tête et une poitrine de femme et qu'il couche avec les jeunes gens. Oh, peut-être qu'il ne demande rien, qu'il ne vous touche même pas. On le rencontre, on le regarde et on meurt d'amour. Mais il te manquait de tomber amoureux des fleurs publiques. Hop, le chef. Repos. Alors, mes lascars, c'est ici qu'on voit des fantômes? Chef... Taisez-vous! Vous parlerez quand je vous interrogerai. Lequel de vous deux a osé... C'est moi, chef. Nom de nom à qui la parole? Allez-vous vous taire? Je demande. Lequel de vous deux a osé faire parvenir en haut lieu un rapport touchant le service sans passer par la voie hiérarchique, en sautant par-dessus ma tête? Répondez. Chef, c'est pas sa faute. Est-ce toi ou lui? C'est nous deux, chef. Silence! Je demande. Comment le grand prêtre a eu connaissance de ce qui se passe la nuit à ce poste, alors que je n'en ai pas eu connaissance, moi? Et c'est ma faute, chef. C'est ma faute. Mon collègue ne voulait rien dire. Moi, j'ai cru qu'il fallait parler. Et comme cette histoire ne concernait pas le service... Enfin quoi, j'ai tout raconté à son oncle. Oui, parce que la femme de son oncle est la sœur d'une lingère de la reine et que le beau-frère est au temple de Tiresias. Eh oui, c'est pourquoi j'ai dit, chef, que c'était ma faute. Assez! Ne me cassez pas les oreilles. Donc, cette histoire ne concerne pas le service. Très bien, très bien. Et cette fameuse histoire qui ne concerne pas le service est une histoire de revenant, il paraît. Oui, oui, chef. Un revenant vous est apparu pendant une nuit de garde, hein? Et ce revenant vous a dit... Au fait, que vous a-t-il dit, ce revenant? Il nous a dit, chef, qu'il était le spectre du roi Laius, qu'il avait essayé plusieurs fois d'apparaître depuis son meurtre, et qu'il nous suppliait de prévenir en vitesse, par n'importe quel moyen, la reine Jocasse et Tiresias. En vitesse, voyez-vous ça? Quel aimable fantôme! Et ne lui avez-vous pas demandé, par exemple, ce qui vous valait l'honneur de sa visite? Et pourquoi il n'apparaissait pas directement chez Tiresias? Ou chez la reine? Ah, si, chef, je lui ai demandé, moi. Il nous a répondu qu'il n'était pas libre de se manifester n'importe où et que les remparts étaient l'endroit le plus favorable aux apparitions des personnes mortes de mort violente à cause des égouts. Des égouts? Ah oui, chef, il a dit des égouts. Rapport aux vapeurs qui ne se forment que là. Peste. Voilà un spectre des plus savants et qui ne cache pas sa science. Vous a-t-il effrayé beaucoup, Et à quoi ressemblait-il? Quelle tête avait-il? Quel costume portait-il? Où se tenait-il et quelle langue parlait-il? Ses visites sont-elles longues ou courtes? L'avez-vous vu à plusieurs reprises? Bien que cette histoire ne concerne pas le service, je serais curieux, je l'avoue, d'apprendre de votre bouche quelques détails sur les mœurs des revenants. On a eu peur la première nuit, chef, je l'avoue. Il faut vous dire qu'il est apparu très vite. Comme une lampe qui s'allume, là, dans l'épaisseur de la muraille. Nous l'avons vu ensemble, chef. On distinguait mal la figure et le corps. On voyait surtout la bouche quand elle était ouverte, et une touffe de barbe blanche, et une grosse tache rouge, rouge vif, près de l'oreille droite. Il s'exprimait difficilement, et il n'arrivait pas à mettre les phrases au bout les unes des autres. Ah, mais là, chef, interrogé par mon collègue, c'est lui qui m'expliquait pourquoi le pauvre homme n'arrivait pas à s'en sortir. Ah, chef, c'est pas sorcier. Il dépensait toute sa force pour apparaître. C'est-à-dire pour quitter sa nouvelle forme et reprendre son ancienne forme, qui nous permette de le voir. La preuve, c'est que chaque fois qu'il parlait un peu moins mal, il disparaissait, il devenait transparent, on voyait le mur au travers. Et tu vois, écoute un peu, tu te rappelles, hein? Chaque fois le même truc. Quand il disparaît, la tache rouge part la dernière. Ouais. On dirait un fanal sur le mur, chef. Ouais. Tout ce qu'on raconte, c'est l'affaire d'une minute, hein? Il est apparu à la même place 5 fois, toutes les nuits un peu avant l'aurore. C'est seulement la nuit dernière, après une séance pas comme les autres. Oui, enfin, chef, on s'est un peu battu et... Ah. Mon camarade a décidé de tout dire à la maison. Tiens, tiens. Et en quoi consistait cette séance pas comme les autres, qui a, si je ne me trompe, provoqué entre vous une dispute? Eh bien, chef, vous savez, la garde, c'est pas très folichon. Alors le fantôme, on l'attendait plus tôt. Et oui, on pariait, on se disait... Viendra pas. Viendra pas. Et, tenez, c'est drôle à dire, chef, mais ça soulageait de voir. C'était comme qui dirait une habitude. Oui. Alors, l'autre nuit, on guettait, on se crevait les yeux, on croyait qu'il se montrerait pas. Lorsqu'il arrive en douce, pas du tout vite comme les autres nuits,
Et une fois visible, il change ses phrases et nous raconte tant bien que mal qu'il est arrivé une chose atroce. Une chose de la mort, une chose qu'il ne peut pas expliquer aux vivants. Qu'il savait des secrets qu'il ne devait pas savoir, qu'on allait le découvrir et le punir, et qu'on lui défendrait d'apparaître. Je mourrai ma dernière nuit, qu'il disait. Et ce sera fini, fini! Vous voyez, messieurs, il n'y a plus une minute à perdre. Courez, prévenez la reine, cherchez Tirésias. Messieurs, messieurs, ayez pitié. Et il suppliait, et le jour se levait, et il restait là. Brusquement, on a cru qu'il allait devenir fou. Oui, on le voyait faire les cérémonies pour devenir invisible. Mais il n'y arrivait pas. Alors voilà qu'il nous demande de l'insulter. Oui, parce qu'il a dit comme ça que d'insulter les revenants, c'était le moyen de les faire partir. Le plus bête, c'est qu'on n'osait pas. Ah, on trouvait pas quoi dire. Alors lui, il nous excitait, puis nous on bafouillait. Va donc, espèce de vieille vache. Oui, enfin, on lui jetait des fleurs, quoi. Oui, parce qu'il faut vous expliquer, chef. Vieille vache est un petit nom d'amitié entre soldats. Il vaut mieux être prévenu. Oui. Va donc, tête de... Pauvre fantôme. Il restait suspendu entre la vie et la mort et il crevait de peur à cause des coqs et du soleil. Enfin, on a vu le mur redevenir le mur, la tache rouge s'éteindre. On était crevés de fatigue. Il ne m'a pas l'air très exact, votre fantôme. Oh, chef, vous savez, il se montrera peut-être plus. Je le gêne. Oh non, chef, mais après l'histoire d'hier... Il apparaîtra, je suis tranquille. Il est très poli, votre fantôme, d'après tout ce que vous me racontez. Hmm? La politesse des rois, c'est l'exactitude. Alors. C'est possible, chef, mais c'est aussi possible que chez les fantômes, il n'y ait plus de roi. Et qu'on puisse confondre un siècle avec une minute. Alors si le fantôme apparaît dans 1000 ans au lieu d'apparaître ce soir... Alors, vous, mon garçon, vous m'avez l'air d'une forte tête, hein? Et la patience a des bornes. Donc, je vous dis que ce fantôme apparaîtra. Je vous dis que ma présence le dérange. Et je vous dis que personne d'étranger au service ne doit passer sur le chemin de ronde. Oui, chef. Donc, fantôme ou pas fantôme, je vous ordonne d'empêcher de passer le premier individu qui se présente ici sans avoir le mot de passe. C'est compris? Oui, chef. Et n'oubliez pas votre ronde. Rompez. N'essayez pas de faire le malin. Je vous ai à l'œil. Hein? Autant. Il a cru qu'on se payait sa gueule? Non, ma vieille. Il a cru qu'on se payait la nôtre. La nôtre? Oui, ma vieille. Je sais beaucoup de choses par mon oncle, moi. La reine, elle est gentille. Mais au fond, on l'aime pas. On dit qu'elle est un peu... qu'elle a un accent étranger, qu'elle est sous l'influence de Tirésias. Faites ci, faites ça. Et elle lui raconte ses rêves. Et elle lui demande si elle doit se lever du pied droit ou du pied gauche. Enfin, il l'amène par le bout du nez. Et il lèche les bottes du frère, Créon. Et il complote avec contre la sœur. Tout ça, c'est du sale monde. Bien. Je parierais que le chef a cru que le fantôme était de la même eau que le sphinx. Un truc des prêtres pour attirer Jocaste et lui faire croire ce qu'on veut lui faire croire. Oh non! Ça t'épate? Eh ben c'est comme ça. Et moi j'y crois au fantôme. Et c'est parce que j'y crois et qu'ils n'y croient pas à eux que je te conseille de te tenir tranquille. Tu as déjà fait du beau travail, non mais pige-moi ce rapport. A fait preuve d'une intelligence très au-dessus de son grade. Oh, n'empêche que si notre roi avait été... Notre roi, minute. Un roi mort n'est pas un roi vivant. La preuve, si le roi Laïus était en vie, hein, entre nous, eh ben, il se débrouillerait tout seul. Il viendrait pas te chercher pour faire ses commissions en ville. Encore un escalier. Je déteste les escaliers. Pourquoi tous ces escaliers? On n'y voit rien. Où sommes-nous? Madame, vous savez bien que ce n'est pas moi qui ai demandé cette escapade. Ce n'est pas moi. Mais taisez-vous, Zizi, vous n'ouvrez la bouche que pour rire des sottises. Voilà bien le moment de faire la morale. Il fallait choisir un autre guide. Je suis presque aveugle. Et à quoi sert d'être devin, je demande? Vous savez même pas où se trouvent les escaliers. Je vais me casser une jambe et ce sera votre faute, Zizi, votre faute comme toujours. Mes yeux de chair s'éteignent au bénéfice d'un œil intérieur. D'un œil qui rend d'autres services que de compter les marches des escaliers. Nous voilà vexés avec son œil.
Là, là, on vous aime, Zizi. Mais les escaliers me rendent folle. Il fallait venir, Zizi, il le fallait. Mais madame... Ne soyez pas têtu. Je ne me doutais pas qu'il y avait ces maudites marches. Je vais monter à reculons. Vous me retiendrez. Vous n'ayez pas peur, c'est moi qui vous dirige. Mais si je regardais les marches, je tomberais. Prenez-moi la main. En route. Qu'avez-vous, madame? C'est votre pied, Zizi, vous marchez sur mon écharpe. Oh, pardonnez-moi. Encore il se vexe, mais ce n'est pas contre toi que j'en ai, c'est contre cette écharpe. Je suis entourée d'objets qui me détestent. Tout le jour, cette écharpe m'étrangle. Une fois, elle s'accroche aux branches. Une autre fois, c'est le moyeu d'un char où elle s'enroule. Une autre fois, tu marches dessus, c'est un fait exprès. Et je la crains, je n'ose pas m'en séparer. C'est affreux, elle me tuera. Voyez dans quel état sont vos nerfs. Et à quoi sert ton troisième œil, je demande? As-tu trouvé le sphinx? As-tu trouvé les assassins de l'Aïus? As-tu calmé le peuple? On met des gardes à ma porte et on me laisse avec des objets qui me détestent, qui veulent ma mort. Sur un simple racontage. Je sens les choses, je les sens mieux que vous tous, je les sens là. A-t-on fait tout ce qu'on a pu pour découvrir les assassins de l'Aïus? Mon madame, c'est bien que le sphinx rendait les recherches impossibles. Eh bien, moi, je me moque de vos entrailles de poulet. Je sens là que l'Aïus souffre et qu'il veut se plaindre. J'ai décidé de tirer cette histoire au clair et d'entendre moi-même ce jeune garde, et je l'entendrai. Je suis votre reine, Tiresias, ne l'oubliez pas. Mon petit biche, il faut comprendre un pauvre aveugle qui t'adore, qui veille sur toi et qui voudrait que tu sois dans ta chambre en train de dormir au lieu de courir après une ombre, une nuit d'orage sur les remparts. Je ne dors pas. Vous ne dormez pas? Non, Zizi, je ne dors pas. Le sphinx, le meurtre de l'Aïus, mon millénaire à bout, tu avais raison de me le dire. Je ne dors plus et c'est mieux. Car si je m'endors une minute, je fais un rêve, un seul. Et je reste malade toute la journée. N'est-ce pas mon métier d'expliquer les rêves? L'endroit du rêve ressemble un peu à cette plateforme, alors je te le raconte. Je suis debout, la nuit. Je berce une espèce de nourrisson. Tout à coup, ce nourrisson devient une pâte gluante qui me coule entre les doigts. Je pousse un hurlement et j'essaie de lancer cette pâte, mais... Oh, Zizi, si tu savais, c'est immonde. Cette chose, cette pâte reste reliée à moi. Et quand je me crois libre, la pâte revient à toute vitesse et gifle ma figure. Et cette pâte est vivante, elle a une espèce de bouche qui se colle sur ma bouche. Elle se glisse partout, elle cherche mon ventre, mes cuisses. Quelle horreur! Calmez-vous. Je ne veux plus dormir, Zizi. Je ne veux plus dormir. Écoute la musique. Où est-ce? Ils ne dorment pas non plus. Ils ont de la chance avec cette musique. Ils ont peur, Zizi. Ils ont raison. Ils doivent rêver des choses épouvantables et ils ne veulent plus dormir. Et au fait, pourquoi cette musique? Pourquoi permettons cette musique? Est-ce que j'ai de la musique pour m'empêcher de dormir? Je ne savais pas que ces boîtes restaient ouvertes toute la nuit. Pourquoi ce scandale, Zizi? Il faut que Créon donne des ordres. Il faut empêcher cette musique. Il faut que ce scandale cesse immédiatement. Est-ce que je danse, moi? Mais ce n'est pas la même chose. Vous portez le deuil de l'Aïus. Et tous sont en deuil, Zizi. Tous, tous, tous. Et ils dansent. Je ne danse pas. C'est trop injuste. Je veux... Chut. Écoute, Zizi, je tremble, je suis sortie avec tous mes bijoux. Non, non, n'ayez crainte, sur le chemin de ronde, il n'y a pas de rôdeurs. C'est certainement une patrouille. Peut-être le soldat que je cherche. Nous allons le savoir, ne bougez pas. Ne bouge pas, on dirait du monde. D'où sortent-ils? Qui va là? Nous allons avoir des ennuis. Écoutez, mes braves. Avez-vous le mot? Voyez, madame, il fallait prendre le mot. Les mots? Et vous vous entraînez dans une histoire impossible. Et pourquoi le mot? Quel mot? Et... Vous êtes ridicule, Zizi, je vais lui parler. Mais non, je vous en conjure, il y a une consigne. Ces gardes peuvent très bien ne pas vous connaître et ne pas me croire. C'est très, très, très dangereux. Que vous êtes romanesque, vous voyez des drames partout. Et ce concert, ils vont peut-être nous sauter dessus. N'ayez crainte, je suis vieux et presque aveugle. Laissez-moi vous expliquer ma présence sur ces remparts.
et la présence de la personne qui m'accompagne. Pas de discours, ne voulant le mot. Une minute. Écoutez, mes braves, avez-vous déjà vu des pièces d'or? Tentative de corruption, hein? Mais non. Je veux dire, avez-vous déjà vu le portrait de la reine sur une pièce d'or? Ben oui. Et vous ne reconnaissez pas? Je ne vois pas le rapport que vous cherchez à établir entre la reine qui est toute jeune et cette matrone. Que dit-il? Il dit qu'il trouve madame bien jeune pour être la reine. Il est amusant. Allez, cherchez-moi votre chef. Inutile, j'ai des ordres. Allez, filez, vite. Allez, vous aurez de mes nouvelles. Si, quoi encore? Que dit-il? Qu'est-ce que c'est? Ben, chef, voilà deux individus qui circulent sans le mot de passe. Qui êtes-vous? Monseigneur! Que d'excuses! Merci, capitaine. J'ai cru que ce jeune brave allait nous passer par les armes. Monseigneur, me pardonnerez-vous? Imbécile! Laisse-nous! Non, ne le grondez pas, il observe sa consigne. Une pareille visite en ce lieu? Que puis-je faire pour votre seigneurie? Sa majesté. Oh, pas de protocole! Je voudrais savoir quel est le garde qui a vu le fantôme. C'est le jeune maladroit qui se permettait de rudoyer le seigneur Tirésias. Et si voilà, madame... Zizi, c'est de la chance, j'ai eu raison de venir. Dites-lui qu'il approche. Je ne sais pas si la reine se rend bien compte que ce jeune soldat s'expliquerait mieux par l'entremise de son chef et que s'il parle seul, sa majesté risque... Quoi encore, Zizi? Madame, le chef me faisait observer qu'il a l'habitude de ces hommes et qu'il pourrait en quelque sorte servir d'interprète. Ôtez le chef! Est-ce que le garçon a une langue ou non qu'il approche? N'insistez pas, la reine est très nerveuse. Bon. La reine veut te parler et surveille ta langue. Je t'en voudrais ça, mon gaillard. Approchez. Allons, va! Va donc! Avance, Nigo, avance! On ne te mangera pas! Excusez-le, Majesté, nos lascars n'ont guère l'habitude des coups. Priez cet homme de nous laisser seul avec le soldat. Mais madame... Il n'y a pas de mais, madame. Si ce capitaine reste une minute de plus, je lui donne un coup de pied. La reine veut rester seule avec le garde qui a vu la chose. Elle a des caprices, elle vous noterait mal, et je n'y pourrais rien. C'est bon, je vous laisse. Moi, si je restais, c'est que... Enfin. Je n'ai pas de conseil à vous donner, monseigneur, mais de vous à moi, méfiez-vous de cette histoire de fantôme. Hein? Monseigneur... Hop! La reine veut rester seule avec ton collègue. Qui est l'autre? A-t-il vu le fantôme? Oui, majesté, nous étions de garde tous les deux. Alors qu'il reste là, je l'appellerai si j'ai besoin de lui. Bonsoir, capitaine, vous êtes libre. Nous en reparlerons. Vous avez blessé ce capitaine à mort. C'est bien son tour. D'habitude, les hommes sont blessés à mort et jamais les chefs. Quel âge as-tu? 19 ans. Juste son âge, il aurait son âge. Il est beau. Avance un peu. Regarde-moi, Zizi, quel muscle! J'adore les genoux, c'est aux genoux qu'on voit la race. Il lui ressemblerait. Il est beau. Zizi, t'as de ses biceps, on dirait du fer. Excusez-moi, je manque de compétences et j'y vois très mal. Alors tâte-le, il a une cuisse de cheval. Il se recule. N'aie pas peur, le papa est aveugle. Dieu sait ce qu'il imagine, le pauvre. Il est tout rouge, il est adorable, il a 19 ans. Oui, majesté. Oui, majesté, n'est-il pas exquis? Ah, misère, il ne sait peut-être même pas qu'il est beau. Alors, tu as vu le fantôme? Oui, majesté. Le fantôme du roi Laïus? Oui, majesté, le roi nous a dit qu'il était le roi. Zizi, avec vos poulets et vos étoiles, que savez-vous? Écoute, le petit. Et que disait le roi? Comment parlait-il? Il parlait vite et beaucoup, majesté, beaucoup, et il s'embrouillait. Et il n'arrivait pas à dire ce qu'il voulait dire. C'est lui, pauvre cher! Mais pourquoi sur ce rempart cela en peste? C'est justement, majesté, le roi disait que c'est à cause des marécages et des vapeurs qu'il pouvait apparaître. Que c'est intéressant! Tirésia, jamais vous n'apprendrez cela dans vos volailles. Et que disait-il? Madame, qu'en faudrait-il interroger avec ordre? Vous allez faire perdre la tête à ce gamin. C'est juste, Zizi, très juste. Comment était-il? Comment le voyez-vous? Dans le mur, majesté. C'est comme qui dirait une espèce de statue transparente. On voit surtout la barbe et le trou noir de la bouche qui parle. Et une tache rouge sur la tempe, une tache rouge vive. C'est du sang? Tiens, on n'y avait pas pensé.
C'est une blessure, c'est épouvantable. Et que disait-il? Avez-vous compris quelque chose? C'était difficile, Majesté. Enfin, mon camarade a remarqué qu'il se donnait beaucoup de mal pour apparaître, et que chaque fois qu'il apparaissait, il s'exprimait très mal. Alors, il ne savait plus comment s'y prendre. Le pauvre... Jocaste, Jocaste, ma femme, Jocaste. Et vous n'avez rien pu saisir de clair? Jocaste. C'est-à-dire, si, monseigneur, on comprenait qu'il voulait vous prévenir d'un danger, vous mettre en garde, la reine et vous, mais c'est tout. La dernière fois, il avait expliqué qu'il a surpris des secrets qu'il ne devait pas savoir et que si on le découvrait, il ne pourrait plus apparaître. Jocaste, Tirésias, ne me voyez-vous pas? Ne m'entendez-vous pas? Et il ne disait rien d'autre? Il ne précisait rien? Dame Majesté, il ne voulait peut-être pas préciser en notre présence. Il vous réclamait. C'est pourquoi mon camarade a essayé de vous prévenir. Mais brave garçon, et je suis venu, je le savais bien, je le sentais là. Tu vois, Zizi, avec tes doutes. Et dites, petit soldat, où le spectre apparaissait-il? Je veux toucher la place exacte. Regarde-moi. Écoute-moi, Jocaste. Garde, vous m'avez toujours vu. Pourquoi ne pas me voir? C'est là. Là. Dans le mur. Ou devant le mur, on ne peut pas se rendre bien compte. Mais pourquoi n'apparaît-il pas cette nuit? Croyez-vous qu'il puisse encore apparaître? Jocaste, Jocaste, Jocaste! Hélas, madame, je ne crois pas après l'histoire d'hier. J'ai peur qu'il y ait eu du grabuge et que votre majesté arrive trop tard. Quel malheur, toujours trop tard. Zizi, je suis toujours informée la dernière dans le royaume. Que de temps perdu avec vos poulets, vos oracles. Il fallait courir, il fallait deviner, nous ne saurons rien, rien, rien. Il y aura des cataclysmes épouvantables, et ce sera votre faute, Zizi, votre faute, comme toujours. Madame, madame, la reine parle devant ses hommes. Oui, je parle devant ses hommes, je vais me gêner peut-être. Et le roi Laïus mort a parlé devant ses hommes. Il ne vous a pas parlé à vous, Zizi, ni à Créon. Il n'a pas été se montrer au temple, il s'est montré sur le chemin de ronde, à ces hommes, à ces garçons de 19 ans, qui est beau et qui ressemble. Je vous conjure. C'est vrai, je suis nerveuse, il faut comprendre ces dangers, ce spectre, cette musique, cette odeur de pourriture. Et il y a de l'orage, mon épaule me fait mal. Oh, j'étouffe, Zizi, j'étouffe. Jocaste, par pitié, écoute-moi, regarde-moi. Messieurs, vous êtes bons, retenez la reine. Tirésias, Tirésias. Il me semble entendre mon nom. Vous n'avez rien entendu? Ma petite biche, vous n'en pouvez plus. Le jour va se lever, vous rêvez debout. Ne savez-vous seulement si cette histoire de fantôme ne résulte pas de la fatigue de ces gardes et qui se forcent à ne pas veiller et qui vivent dans cette atmosphère marécageuse, déprimante? Je caste par pitié. Écoute-moi, regarde-moi. Éloignez-vous, je voudrais parler à la reine. Des coqs. Le jour va se lever, le fantôme ne viendra plus. Rentrons. T'as vu comme il est beau? Ah non. Ne remue pas cette tristesse. Si tu avais un fils... Si j'avais un fils, il serait beau, il serait brave. Il devinerait l'énigme, il tuerait le sphinx, il reviendrait vainqueur. Et vous n'auriez pas de mari? Les petits garçons disent tout, je vais devenir un homme pour me marier avec maman. Ça n'est pas si bête, Tirésias. Est-il plus doux, ménage? Ménage plus doux et plus cruel, ménage plus fier de soi que ce couple d'un fils et d'une mère jeune? Écoute, Zizi, tout à l'heure... Lorsque j'ai touché le corps de ce garde, les dieux savent ce qu'il a dû croire, le pauvre. Et moi, j'ai failli m'évanouir. Il aurait 19 ans, Tirésias, 19 ans, l'âge de ses soldats. Savons-nous si Laïus ne lui est pas apparu parce qu'il lui ressemble? Mes amis, je casse. Qu'il soit utile d'attendre. Par pitié! Franchement, non, monseigneur. Les coqs chantent. Il n'apparaîtra plus. Messieurs de grâce, suis-je invisible? Ne pouvez-vous m'entendre? Alors, je serai obéissant. Mais je reste heureuse d'avoir interrogé le garçon. Il faut que tu saches comment il s'appelle, où il habite. Un jour
oubliez cet escalier. Zizi, cette musique me rend malade. Écoute, nous allons revenir par la haute ville, par les petites rues, et nous visiterons les boîtes. Non, madame, vous n'y pensez pas. Voilà qu'il recommence. Il me rendra folle, folle, folle et idiote. J'ai des voiles, Zizi. Comment voulez-vous qu'on me reconnaisse? Vous dites vous-même que vous êtes sortie avec tous vos bijoux, votre branche seule à des perles grosses comme un œuf. Je suis une victime. Les autres peuvent rire, danser, s'amuser. Crois-tu que je vais laisser à la maison cette broche qui crève l'œil de tout le monde? Appelez le garde. Mais... dites-lui qu'il m'aide à descendre les marches. Vous, vous nous suivrez. Madame, puisque vous dites que le contact de ce jeune homme vous affecte... Il est jeune, il est fort, il m'aidera et je ne me romprai pas le cou. Obéissez au moins une fois à votre reine. Hep. Non, lui. Mais voyez, toi. Aide la reine à descendre les marches. Oui, monseigneur. Eh ben, viens. Joucaste. Il est timide. Et les escaliers me détestent. Les escaliers, les agrafes, les écharpes. Oui. Ils me détestent, ils veulent ma mort. Ah, la reine s'est fait mal. Mais non, stupide, votre pied. Mais quel pied? Et votre pied sur l'écharpe, vous avez failli étrangler la reine. Oh Dieu! Vous êtes le comble du ridicule. Pauvre mignon, voilà que tu le traites d'assassin parce qu'il a marché comme toi sur cette écharpe. Ne vous tourmentez pas, mon fils, monseigneur est absurde, il ne manque pas une occasion de faire de la peine. Mais c'est vous le maladroit, venez. Merci, mon garçon. Vous écrirez au temple votre nom et votre adresse. Un, deux, trois, quatre, c'est superbe. Tu vois, Zizi, comme je descends bien. Zizi, vous suivez? Il reste encore deux marches. Merci, je n'ai plus besoin de vous. Aidez le grand-père. Votre faute, je ne saurai jamais ce que voulait mon pauvre Laïus. Joucaste. Tout cela est bien vague. Quoi, bien vague? Qu'est-ce que c'est vague? C'est vous qui êtes vague avec votre troisième œil. Voilà un garçon qui sait ce qu'il a vu. Et il a vu le roi. Avez-vous vu le roi? Mais... l'avez-vous vu? Non. Alors, c'est extraordinaire. On dirait vraiment... Joucaste. Tirésias. Par pitié. Le spectre. Messieurs, enfin je suis sauvé. J'appelais, je suppliais. Comment vous étiez là? Pendant tout votre entretien avec la reine et avec Tirésias. Pourquoi donc étais-je invisible? Je cours les chercher. Halt! Quoi? Vous l'empêchez? Laisse-moi. Lorsque le menuisier arrive, la chaise ne boite plus. Lorsque tu entres chez le savetier, ta sandale ne te gêne plus. Lorsque tu es chez le médecin, tu ne sens plus la douleur. Va les chercher. Il suffira qu'ils arrivent pour que le fantôme disparaisse. Hélas. Ces simples savent-ils donc ce que les prêtres ne devinent pas? J'irai. Trop tard. Restez. Il est trop tard. Je suis découvert. Ils approchent. Ils vont me prendre. Ah, les voilà. Au secours! Au secours! Vite! Rapportez à la reine qu'un jeune homme approche de Thèbes et qu'il ne faut sous aucun prétexte. Pas drôle. Non. Ces choses-là nous dépassent, ma vieille. Mais ce qui reste clair, c'est que malgré la mort, ce type a voulu coûte que coûte prévenir sa femme d'un danger qui la menace. Mon devoir est de prévenir la reine ou le grand prêtre et de leur répéter ce que nous venons d'entendre, mot pour mot. Tu veux t'envoyer la reine? Alors, il avait qu'à leur apparaître et à leur parler. Ils étaient là, nous l'avons bien vu, nous. Mais ils ne le voyaient pas, eux, et même ils nous empêchaient de le voir, ce qui est le comble. Ce qui prouve que les rois morts deviennent de simples particuliers. Pauvre Laïus, il sait maintenant comme c'est facile d'arriver jusqu'aux grands de la terre. Mais nous? Oh, nous. C'est pas sorcier de prendre contact avec des hommes, ma petite vache. Mais des chefs, des reines, des pontifes, ils partent toujours avant que ça se passe. Ou bien ils arrivent après que ça a eu lieu. Mais ça quoi? C'est ce que je sais, moi. Je me comprends, c'est le principal. Et tu n'irais pas prévenir la reine? Un conseil. Laisse les princes s'arranger avec les princes.
Les fantômes avec les fantômes et les soldats avec les soldats. Spectateurs, nous allons imaginer un recul dans le temps et revivre ailleurs les minutes que nous venons de vivre ensemble. En effet, le fantôme de Laïus essaye de prévenir Jocaste sur une plateforme des remparts de terre pendant que le Sphinx et Édipe se rencontrent sur une éminence qui domine la ville. Même sonnerie de trompette, même lune, mêmes étoiles, même coq. Écoute. J'écoute. C'est la dernière sonnerie, nous sommes libres. C'est la première sonnerie. Il en reste encore deux avant la fermeture des portes de Thèbes. C'est la dernière, j'en suis sûr. Vous en êtes sûr parce que vous désirez la fermeture des portes. Mais hélas, ma consigne m'oblige à vous contredire. Nous ne sommes pas libres, c'est la première sonnerie. Attendons. Je me trompe peut-être. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Vous vous trompez. Anubis. Sphinx. J'en ai assez de tuer. J'en ai assez de donner la mort. Obéissons. Le mystère a ses mystères. Les dieux possèdent leurs dieux. Nous avons les nôtres, ils ont les leurs. C'est ce qui s'appelle l'infini. Tu vois, la seconde sonnerie ne se fait pas entendre. Tu te trompais. Pardon. Vous voudriez que cette nuit s'achève sans mort. Eh bien, oui, oui. Je tremble malgré l'heure qu'il ne passe encore quelqu'un. Vous devenez sensible. Cela me regarde. Ne vous fâchez pas. Pourquoi toujours agir sans but, sans terme, sans comprendre? Ainsi, par exemple, Anubis, pourquoi ta tête de chien? Pourquoi le dieu des morts sous l'apparence que lui supposent des hommes crédules? Pourquoi en Grèce un dieu d'Égypte? Pourquoi un dieu à tête de chien? J'admire ce qui vous a fait prendre une figure de femme lorsqu'il s'agissait de poser des questions. Ce n'est pas répondre. Je répondrai que la logique nous oblige, pour apparaître aux hommes, à prendre l'aspect sous lequel ils nous représentent, sinon ils ne verraient que du vide. Ensuite, que l'Égypte, la Grèce, la mort, le passé, l'avenir n'ont pas de sens chez nous. Que vous savez trop bien à quelle besogne ma mâchoire de chacal est soumise. Que nos maîtres prouvent leur sagesse. En m'incarnant sous une forme inhumaine qui m'empêche de perdre la tête, fût-elle une tête de chien, car j'ai votre garde. Et je devine que s'il ne vous avait donné qu'un chien de garde, nous serions à l'heure actuelle à Thèbes, moi en laisse, et vous, assise au milieu d'une bande de jeunes gens. Tu es stupide. Efforcez-vous donc de vous souvenir que ces victimes qui émeuvent la figure de jeune fille que vous avez prise ne sont autre chose que zéros essuyés sur une ardoise. Même si chacun de ces zéros était une bouche ouverte criant au secours. C'est possible. Mais ici, nos calculs de Dieu nous échappent. Ici, nous tuons. Ici, les morts meurent. Ici, je tue. Ah, regarde où tu mets tes pieds. Mais avance, mais regarde pas derrière toi, mais avance, attention. Oh, je t'avais dit de regarder où tu marches. Oh, pardon, madame. Il regarde jamais où il marche. Il vous a pas fait mal, au moins. Pas du tout, madame.
Je ne m'attendais pas à rencontrer du monde sur ma route à des heures pareilles. Je suis étrangère, arrivée à Thèbes depuis peu. Je rentre chez une parente et je m'étais perdue. Oh, pauvre petite, et où habite-t-elle votre parente? Aux environs de la 12e borne. Juste d'où j'arrive. J'ai déjeuné chez mon frère en famille, il m'a retenue à dîner. Alors après le dîner, n'est-ce pas, on bavarde, et me voilà qui rentre après le couvre-feu avec un galopin qui ne tient pas bien. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Ah, dites, ne traînez pas en route, hein. Je sais que ni vous ni moi n'avons grand-chose à craindre, mais je ne serai pas fière tant que je ne serai pas dans les murs. Vous craignez les voleurs? Les voleurs? Oh, juste Dieu, que pourraient-ils me prendre? Oh, mais non, ma petite. Mais d'où êtes-vous? On voit bien que vous n'êtes pas de la ville. Mais il s'agit bien des voleurs. Il s'agit du Sphinx. Vous y croyez vraiment? Vraiment, vous, madame? À cette histoire-là? Cette histoire-là? Oh, que vous êtes jeune. Oh, la jeunesse est incrédule. Si, ben voilà comment il arrive des malheurs. Écoutez, sans parler du Sphinx, je vous cite un exemple de ma famille. Mon frère, de chez qui je rentre, il avait épousé une grande belle femme blonde. C'était une femme du Nord. Ben, une nuit, il se réveille et qu'est-ce qu'il trouve? Sa femme couchée, sans tête et sans entrailles. C'était un vampire. Et mes fils prétendent qu'il invente ce vampire de toutes pièces pour cacher que sa sœur sortait bien avec son frère et qu'il l'a laissé rentrer et qu'il en a honte et qu'il est un lâche. Et mes fils risquent d'épouser des monstres d'enfer parce qu'ils s'obstinent à être incrédules. Mais le Sphinx, hein, excusez si je vous choque, là-bas, il n'y a que vous et mes fils pour pas y croire. Vos fils? Non, pas le morveux qui s'est dans vos jambes. Non, non, il s'agit d'un autre fils de 17 ans. Vous avez plusieurs fils? Ben, j'en avais 4, il m'en reste 3, 7 ans, 16 ans et 17 ans. Mais je vous assure que depuis cette maudite bête, la maison est devenue inhabitable. Vos fils se disputent? Oh, mais mademoiselle, c'est impossible de s'entendre. Celui de 16 ans s'occupe de politique. Le Sphinx, qu'il dit, c'est un loup-garou pour tromper le pauvre monde. Il y a peut-être eu quelque chose comme votre Sphinx. C'est mon fils qui s'exprime. Mais maintenant, votre Sphinx est mort. C'est une arme entre les mains des prêtres, un prétexte au micmac de la police. On égorge, on pille, on épouvante le peuple et on jette tout sur le Sphinx. Le Sphinx a bon dos. Eh bien, moi, mademoiselle, hein, moi qui vous parle, moi, je sais qu'il existe, le Sphinx. Mais on en profite, ça, c'est certain qu'on en profite. Oh, il faudrait un homme de poigne, là, un dictateur. Et le frère de votre jeune dictateur? Ah, ça, c'est un autre genre. Il méprise son frère. Il me méprise, il méprise la ville, il méprise les dieux, il méprise tout. On se demande où il va chercher ce qui vous sort. Il déclare que le Sphinx l'intéresserait s'il tuait pour tuer, mais que notre Sphinx est de la clique des oracles et qu'il ne l'intéresse pas. Et votre quatrième fils? Votre deuil date? Bien, je l'ai perdu, voilà presque une année. Il venait d'avoir 19 ans. Pauvre femme, et de quoi est-il mort? Il est mort au Sphinx. Oh non, ça, mon fils cadet peut bien prétendre qu'il a été victime des micmacs de la police. Non, non, je ne me trompe pas. Il est mort au Sphinx. Oh, mademoiselle, je vivrai 100 ans, je reverrai toujours la scène. Un matin, il n'était pas rentré de la nuit. Je crois qu'il frappe à la porte. J'ouvre et je vois le dessous de ses pauvres pieds et tout le corps après. Et très loin, sa pauvre petite figure, avec, tenez ici à la nuque, une grosse blessure d'où le sang ne coulait même plus. On me le rapportait sur une civière. Alors, mademoiselle, j'ai fait... Et puis je suis tombée comme ça. Des malheurs pareils, qu'est-ce que vous voulez, ça vous marque? Oh non, ça, je vous félicite si vous n'êtes pas de Thèbes, si vous n'avez pas de frère, je vous félicite. Dites son cadet, là, l'orateur, il veut le venger, mais à quoi bon? Il déteste les prêtres et mon pauvre fils était de la série des offrandes. Des offrandes? Mesdames, oui. Les premiers mois du Sphinx, on envoyait la troupe venger la belle jeunesse qu'on trouvait morte un peu partout. Et la troupe rentrait bredouille. Le Sphinx restait introuvable. Ensuite, le bruit s'étant répandu que le Sphinx exigeait des offrandes, c'est là qu'on a sacrifié la jeunesse des écoles. Alors, les prêtres ont déclaré que le Sphinx exigeait des offrandes et c'est là qu'on a choisi les plus jeunes, les plus faibles, les plus beaux. Pauvre madame. Oh non, ça je vous le répète, mademoiselle, il faudrait une poigne. Mais la reine Jocasse est encore jeune. De loin, on lui donnerait 29, 30 ans. Il faudrait
un chef qui tombe du ciel, qui l'épouse, qui tue la bête, qui punisse les trafics, qui boucle le crayon et Tirésias, qui relève les finances, qui remonte le moral du peuple, qui l'aime, qui nous sauve, quoi, qui nous sauve. Maman. Ah, laisse. Maman. Maman, dis maman, oh. Comment est la leçon? Mais je ne sais pas, voilà-t-il pas qu'ils inventent de nous demander nos derniers sous pour construire un monument aux morts du sphinx. Mais croyez-vous que ça nous les rende? Maman, comment est la leçon? Écoute, n'ennuie pas la dame, là. Laissez-le. Maman dit, c'est ces dames, le sphinx. Oh, tais-toi, écoute, t'es trop bête, excusez-le, n'est-ce pas? À ce temps-là, ils ne savent pas ce qu'ils disent, hein. Allez, en route, mauvaise troupe. Maman, c'est ces dames, le sphinx. Dis, maman, c'est le sphinx, c'est dames, c'est assez, ça, le sphinx. Assez, ne sois pas stupide, hein. Bonsoir, mademoiselle. Excusez-moi si je bavarde, mais j'étais contente de souffler une petite minute, hein. Hé, méfiez-vous. Tiens, voilà la deuxième relève, la troisième, nous resterions dehors. Dépêchez-vous, je vais courir de mon côté. Mais croyez-moi, nous ne serons tranquilles que quand un homme de poids, il nous aura débarrassé de ce fléau. Dis, maman, comment est-ce que c'est pas cette dame? Alors, comment il est? Un fléau. Il ne nous manquait que cette matrone. Voilà 2 jours que je suis triste, 2 jours que je me traîne, en souhaitant que ce massacre prenne fin. Écoute, voilà le vœu que je forme. Et les circonstances dans lesquelles il me serait possible de monter une dernière fois sur mon socle. Un jeune homme gravirait la colline. Je l'aimerais. Il n'aurait aucune crainte. À la question que je pose, il répondrait comme un égal. Il répondrait Anubis. Et je tomberais morte. Entendons-nous, votre forme mortelle tomberait morte. N'est-ce pas sous cette forme que je voudrais vivre pour le rendre heureux? Il est agréable de voir qu'en s'incarnant, une grande déesse ne devient pas une petite femme. Tu vois que j'avais plus que raison, et que la sonnerie que nous voulons entendre est à la dernière. Fille des hommes! On n'en a jamais fini avec vous. Non! Non! Et non! Cette sonnerie était la deuxième, il m'en faut encore une. Et vous serez libre. Oh! Qu'as-tu? Mauvaise nouvelle. Un voyageur. Un voyageur. C'est impossible, impossible. Je refuse d'interroger ce jeune homme. Inutile, ne me le demande pas. Je conviens que si vous ressemblez à une jeune mortelle, il ressemble fort à un jeune dieu. Quelle démarche, Anubis. Et ses épaules. Il approche. Je me cache. N'oubliez pas que vous êtes le sphinx. Je vous surveille. Je paraîtrai au moindre si. Anubis! Oh, pardon. Je vous ai fait peur? C'est-à-dire, non. Je rêvais, j'étais à 100 lieues de l'endroit où nous sommes, et là, tout à coup... Vous m'avez prise pour un animal. Presque. Presque? Presque un animal, c'est le sphinx. Je l'avoue. Vous avouez m'avoir prise pour le sphinx? Merci. Je me suis vite rendu compte de mon erreur. Le fait est que pour un jeune homme, ce ne doit pas être drôle de se trouver brusquement nez à nez avec lui. Et pour une jeune fille? Il ne s'attaque pas aux jeunes filles. Parce que les jeunes filles évitent les endroits qu'ils fréquentent et n'ont guère l'habitude, il me semble, de sortir seul après la chute du jour. Mêlez-vous, cher monsieur, de ce qui vous regarde. Et laissez-moi passer mon chemin. Quel chemin? Mais vous êtes extraordinaire. Dois-je rendre compte à un étranger du but de ma promenade? Et si je le devinais, moi, ce but? Vous m'amusez beaucoup. Ce but? Ne serait-ce pas la curiosité qui ravage toutes les jeunes femmes modernes? La curiosité de savoir comment le sphinx est fait, s'il a des griffes, un bec, des ailes, s'il tient du tigre ou du vautour. Allez, allez. Le sphinx est le criminel à la mode. Qui l'a vu? Personne. On promet à qui il découvrira des récompenses fabuleuses, les lâches tremblent, les jeunes hommes meurent. Mais une jeune fille, ne pourrait-elle se risquer dans la zone interdite, braver les consignes, oser ce que personne de raisonnable n'ose, dénicher le monstre, le surprendre au gîte, l'apercevoir? Vous faites fausse route, je vous le répète. Je rentre chez une parente qui habite la campagne. Et comme j'oubliais qu'il existe un sphinx et que les environs de Thèbes ne sont pas sûrs, je me reposais une minute contre les pierres de cette ruine. Vous voyez que nous sommes loin de compte. Dommage. Depuis quelque temps, je ne croise que des personnes si plates. Alors j'espérais un peu d'imprévu. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir.
Eh bien, mademoiselle, au risque de me rendre odieux, figurez-vous que je n'arrive pas à vous croire et que votre présence dans ces ruines continue de m'intriguer énormément. Vous êtes incroyable. Car si vous étiez une jeune fille comme les autres, vous auriez déjà pris vos jambes à votre cou. Vous êtes de plus en plus comique, mon garçon. Il me paraissait si merveilleux de trouver chez une jeune fille un émule digne de moi. Un émule? Vous cherchez donc le sphinx? Si je le cherche, sachez que depuis un mois, je marche sans fatigue. Et c'est pourquoi j'ai dû manquer de savoir-vivre. Car j'étais si fiévreux en approchant de Thèbes que j'eusse crié mon enthousiasme à n'importe quelle colonne. Et voilà qu'au lieu d'une colonne, une jeune fille, blanche, se dresse sur ma route. Alors je n'ai pu m'empêcher de l'entretenir de ce qui m'occupe et de lui prêter les mêmes attentions qu'à moi. Mais dites, il me semble que tout à l'heure, en me voyant surgir de l'ombre, vous paraissiez mal sur vos gardes pour un homme qui souhaite se mesurer avec l'ennemi. C'est juste. Je rêvais de gloire et la bête m'est prise en défaut. Demain, à Thèbes, je m'équipe. Et la chasse commence. Vous aimez la gloire? Je ne sais pas si j'aime la gloire, mais j'aime les foules qui piétinent. Les trompettes, les oriflammes qui claquent, les palmes qu'on agite, le soleil, l'or, la pourpre, le bonheur, la chance. Vivre, enfin. Vous appelez cela vivre? Et vous? Moi, non. J'avoue avoir une idée toute différente de la vie. Laquelle? Aimer. Être aimé de qui on aime. J'aimerais mon peuple, il m'aimera. La place publique n'est pas un foyer. La place publique n'empêche rien. À Thèbes, le peuple cherche un homme. Si je tue le sphinx, je serai cet homme. La reine Jocaste est veuve, je l'épouserai. Une femme qui pourrait être votre mère. L'essentiel est qu'elle ne le soit pas. Croyez-vous qu'une reine et qu'un peuple se livrent au premier venu? Le vainqueur du sphinx serait-il le premier venu? Je connais la récompense, la reine lui est promise. On n'en riait pas. Soyez bonne. Il faut que vous m'écoutiez. Il faut que je vous prouve que mon rêve n'est pas un simple rêve. Mon père est roi de Corinthe. Mon père et ma mère me mirent au monde lorsqu'ils étaient déjà vieux et j'ai vécu dans une cour maussade. Je commençais de languir, de me consumer, lorsqu'un soir, un ivrogne me cria que j'étais un bâtard et que j'usurpais la place d'un fils légitime. Il y eut des coups, des insultes, et le lendemain, malgré les pleurs de Polybe et de Mérope, j'ai décidé de visiter le sanctuaire et d'interroger les dieux. Tous me répondirent par le même oracle. Tu assassineras ton père et tu épouseras ta mère. Oui. Oui, au premier abord, cet oracle suffoque. Mais j'ai la tête solide. J'oubliais vite mes craintes et je l'avoue, je profitais de cette menace de parricide et d'inceste pour fuir la cour et satisfaire ma soif d'inconnu. C'est mon tour de me sentir étourdi. Je m'excuse de m'être un peu moqué de vous. Vous me pardonnez, prince? Donnons-nous la main. Puis-je vous demander votre nom? Moi, je m'appelle Édipe. Qu'importe, laissez mon nom, Édipe. Vous devez aimer les noms illustres. Le mien ne vous intéresserait pas. Vous êtes méchante. Vous adorez la gloire. Et pourtant, la manière la plus sûre de déjouer l'oracle, ne serait-elle pas d'épouser une femme plus jeune que vous? C'est une parole qui ne vous ressemble pas. La parole d'une mère de Thèbes où les jeunes gens à marier se font rares. Voilà une parole qui ne vous ressemble pas. Une parole lourde et vulgaire. Alors j'aurais couru les routes, franchi les montagnes et les fleuves pour prendre une épouse qui deviendra vite un sphinx, pire que le sphinx. Un sphinx à mamelles et à griffes. Édipe. Non pas, je tenterai ma chance. Prenez cette ceinture. Elle vous permettra de venir jusqu'à moi lorsque j'aurai tué la bête. Avez-vous déjà tué? Une fois. C'était au carrefour où les routes de Delphes et de Dolly se croisent. Je marchais, comme tout à l'heure. Une voiture approchait, conduite par un vieillard, escortée par quatre domestiques. Comme je croisais l'attelage, un cheval se cabre, me bouscule, me jette contre un des domestiques. Cet imbécile lève la main sur moi. Je lui réponds avec mon bâton, mais il se courbe et j'attrape le vieillard à la tempe. Il tombe, les chevaux s'emballent, il le traîne, je cours après, les domestiques épouvantés se sauvent. Je me retrouve seul avec le cadavre d'un vieillard qui saigne et des chevaux empêtrés qui se roulent en hennissant et en cassant leurs jambes. C'était atroce.
Atroce. Oui. N'est-ce pas, c'est atroce de tuer. Ma foi, ce n'était pas ma faute. Et je n'y pense plus. Il importe que je saute les obstacles, que je porte des œillères, que je ne m'attendrisse pas. D'abord, mon étoile. Alors, adieu, Édipe. Je suis du sexe qui dérange les héros. Quittons-nous. Je crois que nous n'aurions plus grand-chose à nous dire. Déranger les héros? Vous n'y allez pas de main morte? Et si le sphinx vous tue? Sa mort dépend, si je ne me trompe, d'un interrogatoire auquel je devrais répondre. Si je devine, il ne me touche même pas, il meurt. Et si vous ne devinez pas? J'ai fait, grâce à ma triste enfance, des études qui me procurent bien des avantages sur les garnements de Thèbes. Vous m'en direz tant. Et je ne crois pas que le monstre naïf s'attende à se trouver face à face avec l'élève des meilleurs lettrés de Corinthe. Vous avez réponse à tout. Hélas. Car vous l'avouerez, Édipe, j'ai une faiblesse. Les faibles me plaisent. Et j'eusse aimé vous prendre en défaut. Adieu. Édipe! Vous m'appelez? Un dernier mot. Jusqu'à nouvel ordre. Rien d'autre ne préoccupe votre esprit. Rien d'autre ne fait battre votre cœur. Rien d'autre n'agite votre âme que le sphinx. Rien d'autre. Jusqu'à nouvel ordre. Et celui ou celle qui vous mettrait en sa présence. Je veux dire qui vous aiderait. Je veux dire qui serait peut-être quelque chose facilitant cette rencontre. Se revêtirait-il? Ou elle de prestige au point de vous toucher, de vous émouvoir. Certes, mais que prétendez-vous? Si moi, je vous livrais un secret immense. Vous plaisantez. Un secret qui vous permette d'entrer en contact avec l'énigme des énigmes, avec la bête humaine, avec la chienne qui chante, comme ils disent. Avec le sphinx. Quoi? Vous? Aurais-je deviné juste? Mais non, je suis absurde. C'est une ruse de femme pour m'obliger à rebrousser chemin. Bonsoir. Pardon. Inutile. Je suis un niais qui s'agenouille et qui vous conjure de lui pardonner. Vous êtes un fat qui regrette d'avoir perdu sa chance et qui essaye de la rattraper. Je suis un fat, j'ai honte. Tenez, je vous crois, je vous écoute. Mais si vous m'avez joué un tour, je vous tirerai par les cheveux et je vous pincerai jusqu'au sang. Venez. Fermez les yeux. Ne trichez pas. Comptez jusqu'à 50. Prenez garde. Chacun son tour. Dix. Vingt. Quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq, quarante-six, quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf, cinquante. Vous? Moi, le sphinx. Je rêve. Tu n'es pas un rêveur, Édipe. Ce que tu veux, tu le veux. Tu l'as voulu. Silence. Ici, j'ordonne. Approche. Avance. Puisque tes jambes te refusent leur aide, saute. Sautez. Il est bon qu'un héros se rende un peu ridicule. Là, sois tranquille, il n'y a personne pour te regarder. C'est bien. Hâte. Et maintenant. Je commence à comprendre vos méthodes.
Et par quels moyens vous enjolez et vous égorgez les voyageurs? Et maintenant, je vais te donner un spectacle. Je vais te montrer ce qui se passerait à cette place, Édipe, si tu étais n'importe quel joli garçon de Thèbes. Et si tu n'avais eu le privilège de me plaire. Je sais ce que valent vos amabilités. Abandonne-toi, n'essaie pas de te crisper, de résister. Si tu résistes, tu ne réussiras qu'à rendre ma tâche plus délicate. Et je risque de te faire du mal. Je résisterai. Inutile de fermer les yeux, de détourner la tête. Car ce n'est ni par le chant, ni par le regard que j'opère. Mais plus adroit qu'un aveugle, plus rapide que le filet du gladiateur, plus subtil que la foudre, plus raide qu'un cocher, plus lourd qu'une vache, plus attentif qu'un élève qui ont la langue sur des chiffres, plus gré, plus voilé, plus ancré, plus bercé qu'un navire, plus incorruptible qu'un juge, plus vorace que les insectes, plus sanguinaire que les oiseaux, plus nocturne que l'œuf, plus attentif que le bourreau tirant la langue. Je secrète, je tire de moi, je lâche. Je dévide, je déroule, j'enroule, de telle sorte qu'il me suffira de vouloir ses nœuds pour les faire et d'y penser pour les tendre ou pour les détendre. Si mince qu'il t'échappe, si souple que tu t'imagineras être victime de quelque poison, si dur qu'une maladresse de ma part t'amputerait, si tendu qu'un archer obtiendrait entre nous une plane céleste, bouclée comme la mer, la colonne, la rose, musclée comme la pieuvre, invisible surtout, invisible et majestueux, comme la circulation du sang des statues, un fil qui te ligote avec la volubilité des arabesques folles du miel qui tombe sur du miel. Ah, lâchez-moi. Et je parle, je travaille, je dévide, je déroule, je calcule, je médite, je tresse, je vanne, je natte, je croise, je passe, je repasse, je noue et dénoue et renoue, retenant le moindre nœud qu'il me faudra te dénouer ensuite sous peine de mort. Et je serre, je desserre, je me trompe. Je reviens sur mes pas, j'hésite, je corrige, enchevêtre, désenchevêtre, délace, entrelace, repars. Et j'ajuste, j'agglutine, je carotte, je sens, j'entrave, j'accumule, jusqu'à ce que tu te sentes, de la pointe des pieds à la racine des cheveux, vêtu de toutes les boucles d'un seul reptile, dont la moindre respiration coupe la tienne, et te rendent pareil au bras inerte sur lequel un dormeur s'est endormi. Laissez-moi grâce. Et tu demanderais grâce. Et tu n'aurais pas à en avoir honte, car tu ne serais pas le premier. Et j'en ai entendu le plus superbe appeler leur mère. Et j'en ai vu le plus insolent fondre en larmes. Et les moins démonstratifs étaient encore les plus faibles, car ils s'évanouissaient en route. Et il me fallait imiter les embaumeurs entre les mains desquels les morts sont des ivrognes qui ne savent même plus se tenir debout. Mes robes. Maman. Ensuite, je te commanderai d'avancer un peu. Et je t'aiderai en desserrant tes jambes. Là. Et je t'interrogerai. Je te demanderai, par exemple, quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi, sur trois pattes le soir. Et tu chercherais. À force de chercher, tu répéterais un chiffre. Ou tu compterais les étoiles entre ces deux colonnes détruites. Et je te remettrai au fait en te dévoilant l'énigme. Cet animal est l'homme qui marche à quatre pattes lorsqu'il est enfant, sur deux pattes quand il est valide, et lorsqu'il est vieux, avec la troisième patte d'un bâton. C'est trop bête! Tu t'écrirais, c'est trop bête! Vous les dites tous. Alors, puisque cette phrase confirme ton échec, j'appellerai Anubis, mon aide, Anubis! Non, non, madame, grâce, madame, non. Je te ferai mettre à genoux. Et tu courberais la tête. Et l'Anubis s'élancerait. Il ouvrirait ses mâchoires de loup. Non. J'ai dit courberait. S'élancerait, ouvrirait.
N'ai-je pas toujours eu soin de m'exprimer sur ce mode? Pourquoi ce cri? Pourquoi cette face d'épouvante? C'était une démonstration, Édipe. Une simple démonstration. Tu es libre. Libre? Pardon, Sphinx. Cet homme ne peut sortir d'ici sans subir l'épreuve. Interroge-le. Mais... Silence! Interroge cet homme! Je l'interrogerai. Je l'interrogerai. C'est bon. Quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi, sur trois pattes le soir? L'homme! Parbleu! Qui se traîne à quatre pattes lorsqu'il est petit, qui marche sur deux pattes lorsqu'il est grand et qui, lorsqu'il est vieux, cède avec la troisième patte d'un bâton. Vainqueur. Édipe, où est-il? Où est-il? Parti en volée, il court à perdre haleine, proclamer sa victoire. Sans un regard vers moi. Sans un geste ému, sans un signe de reconnaissance. Vous attendiez-vous à une autre attitude? Oh, l'imbécile, il n'a donc rien compris. Rien compris. Xix! Xix! Allez vite, tiens, tiens, regarde! Cours vite, allez vite, cours vite! Mords-le! Mords-le! Vous recommence, vous revoit la femme et me revoit la chienne. Pardon, je perds la tête, je suis folle. Mes mains tremblent. J'ai la fièvre. Je voudrais le rejoindre d'un bond, lui cracher au visage, le griffer, le défigurer, le piétiner, le chanterer! L'écorché vif. Je vous retrouve. Aide-moi, venge-moi. Ne reste pas immobile. Vous détestez vraiment cet homme. Je le déteste. S'il lui arrivait le pire vous paraîtrait encore trop doux. Trop doux. Regardez les plis de cette étoffe. Pressez-les les uns contre les autres. Et maintenant, si vous traversez cette masse d'une épingle, si vous enlevez l'épingle, si vous lissez l'étoffe, jusqu'à faire disparaître toute trace des anciens plis, pensez-vous qu'un nigaud de campagne puisse croire que les innombrables trous qui se répètent de distance en distance proviennent d'un seul coup d'épingle? Certes non. Le temps des hommes est de l'éternité pliée. Pour nous, il n'existe pas. De sa naissance à sa mort, la vie d'Édipe s'étale sous mes yeux plates avec sa suite d'épisodes. Parle, Anubis, je brûle. Jadis, Jocaste l'a eu sur un enfant. L'oracle ayant annoncé que cet enfant serait un fléau. Un fléau. Un monstre, une bête immonde. Plus vite, plus vite. Jocaste le ligota et l'envoya perdre sur la montagne. Un berger de Polybe le trouve, l'emporte. Et comme Polybe et Mérope se lamentaient d'une couche stérile... Je tremble de joie. Il l'adopte. Édipe, fils de Laïus, a tué Laïus au carrefour des trois routes. Vieillard. Fils de Jocaste, il épousera Jocaste. Et moi, qui lui disais, elle pourrait être votre mère. Et il répondait l'essentiel et qu'elle ne le soit pas. Anubis, Anubis, c'est trop beau. Trop beau. Il aura deux fils qui s'entregorgeront. Deux filles dont l'une se pendra. Ah, Jocaste c'est... se pendra. Que pourrais-je espérer de plus? Songe, Anubis. Les noces d'Édipe et de Jocaste, les noces du fils et de la mère. Et le sera-t-il vite? Assez vite. Quelle minute! D'avance, avec délice, je la savoure. Et là, je voudrais être là. Vous serez là. Est-ce possible? Le moment est venu où j'estime nécessaire de vous rappeler qui vous êtes. Et quelle distance risible vous sépare de cette petite forme qui m'écoute? Vous, qui avez assumé le rôle du sphinx, vous, la déesse des déesses, vous, la grande entre les grandes, vous, l'implacable, vous, la vengeance, vous, Némésis! En
encore une fois, s'il est visible, je veux repaître ma haine. Je veux le voir courir d'un piège aux un autre comme un rail cervelé. Est-ce le cri de la déesse qui se réveille ou celui de la femme jalouse? De la déesse, Anubis, de la déesse. Les dieux m'ont distribué le rôle de sphinx. Je saurai en être digne. Enfin. Chien, tu m'avais menti. Moi? Oui, toi, menteur, menteur. Tiens, tiens, regarde la route. Il dit par beau ses chemins. Il court, il vole, il m'aime. Il a compris. Vous savez fort bien, madame, ce que vaut sa réussite et pourquoi le sphinx n'est pas mort. Voilà qui saute de roche en roche, comme mon cœur saute dans ma poitrine. Convaincu de son triomphe et de votre mort, ce jeune étourneau vient de s'apercevoir que dans sa hâte, il oublie le principal. Misérable, tu prétends qu'il vient me chercher mort? Pas vous, ma petite furie, pas vous, le sphinx. Il croit avoir tué le sphinx, il faut qu'il le prouve. Thèbes ne se contenterait pas d'une histoire de chasse. Tu mens, je lui dirai tout, je le préviendrai. Je le sauverai. Je le détournerai de Jocaste, de cette ville maudite. Prenez garde. Je parlerai. Laissez-le parler avant. Je suis heureux, madame, de voir la bonne santé dont les immortels jouissent après leur mort. Que revenez-vous faire en ces lieux? Cherchez mon dû. Ah, Anubis. Vous l'aurez. Restez où vous êtes. Le vaincu est une femme. Il demande au vainqueur une dernière grâce. Excusez-moi d'être sur mes gardes, mais vous m'avez appris à me méfier de vos ruses féminines. J'étais le sphinx. Non, Édipe. Vous ramènerez ma dépouille à Thèbes. Et l'avenir vous récompensera selon vos mérites. Je vous demande simplement de me laisser disparaître derrière ce mur, afin d'ôter ce corps dans lequel je me trouve, l'avouerai-je, un peu à l'étroit. Soit. Mais dépêchez-vous, la dernière fanfare. Tenez, j'en parle, elle sonne. Il ne faudrait pas que je tarde. Thèbes ne laissera pas à la porte un héros. Hâtez-vous, madame. On dirait que vous inventez des prétextes et que vous traînez exprès. Suis-je la première, dieu des morts, que tu doives tirer par sa robe? Vous gagnez du temps, sphinx. N'en accusez que votre chance, Édipe. Marthe, vous eût joué un mauvais tour, car une grave difficulté se présente. Si vous rapportez à Thèbes le cadavre d'une jeune fille en place du monstre auquel les hommes s'attendent, la foule vous lapidera. C'est juste. Les femmes sont étonnantes, elles pensent à tout. Ils m'appellent la Vierge à griffes, la chienne qui chante. Ils veulent reconnaître mes crocs. Ne vous inquiétez pas. Anubis, mon chien fidèle, écoute. Puisque nos figures ne sont que des ombres, il me faut ta tête de chacal. Excellent! Faites ce qu'il vous plaira, pourvu que cette honteuse comédie finisse et que vous puissiez revenir à vous. Je ne serai pas long. Je compte jusqu'à 50, comme tout à l'heure. Ce sera ma revanche. Madame, madame, qu'attendez-vous encore? Me voilà laide, Anubis. Je suis un monstre. Pauvre gamin, si je l'effraie. Il ne vous verra même pas, soyez tranquille. Est-il donc aveugle? Beaucoup d'hommes naissent aveugles et ils ne s'en aperçoivent que le jour où une bonne vérité leur crève les yeux. 50! Allez, allez! Adieu, sphinx. Il était temps. Non, pas ainsi. Je ressemblerai à un tragédien de Corinthe que j'ai vu jouer un roi et porter le corps de son fils. La pose était pompeuse et n'émouvait personne. Oh non, c'est ridicule. On dirait un chasseur qui rentre bredouille après avoir tué son chien.
pour que les derniers miasmes humains abandonnent votre corps de déesse, sans doute serait-il bon que cet Édipe vous désinfecte en se décernant au moins un titre de demi-dieu. Il est si jeune. Hercule. Hercule jeta le lion sur son épaule. Oui, sur mon épaule. Sur mon épaule, comme un demi-dieu. Il est formidable. J'ai tué la bête immonde. Anubis, je me sens très mal à l'aise. Il faut partir. J'ai sauvé la ville. Allons, venez, venez, madame. J'épouserai la reine Jocaste. Les pauvres, pauvres, pauvres hommes. Je n'en peux plus, Anubis. J'ai tout. Quittons la terre. Je serai roi. Depuis l'aube, les fêtes du couronnement et des noces se succèdent. La foule vient d'acclamer une dernière fois la reine et le vainqueur du sphinx. Chacun rentre chez soi. On n'entend plus sur la petite place du palais royal que le bruit d'une fontaine. Édipe et Jocaste se trouvent enfin tête à tête dans la chambre nuptiale. Ils dorment debout. Et malgré quelques signes d'intelligence et de politesse du destin, le sommeil les empêchera de voir la trappe qui se ferme sur eux pour toujours. J'ai peur que cette chambre te devienne une cage, une prison. Mon cher amour, une chambre de femme, une chambre qui embaume ta chambre. Après cette journée éreintante, après ces cortèges, ce cérémonial, cette foule qui continuait encore à nous acclamer sous nos fenêtres. Pas à nous acclamer, à t'acclamer, toi. C'est pareil. Il faut être véridique, petit vainqueur. Ils me détestent. Mes robes les agacent, mon accent les agace, mon noir aux yeux les agace, mon rouge aux lèvres les agace, ma vivacité les agace. Crayon les agace. Crayon le sec, le dur, l'inhumain. Je relèverai ton prestige. Oh, Jocaste, quel beau programme. Il était temps que tu viennes. Je n'en peux plus. Ta chambre, une prison. Ta chambre. Et notre lit. Veux-tu que j'ôte le berceau? Depuis la mort de l'enfant, il me le fallait près de moi. Je ne pouvais pas dormir, j'étais trop seule. Mais maintenant... Mais maintenant? Que dis-tu? Je dis que c'est lui, lui, le chien. Je veux dire le chien qui refuse. Le chien Fontaine. Édipe. Édipe. Hein? Tu t'endormais. Moi, pas du tout. Si, tu me parlais de chien. De chien qui refuse, de chien Fontaine. Et moi, je t'écoutais. C'est absurde. Je te demande si tu veux que j'ôte le berceau, s'il te gêne. Suis-je un gamin pour craindre ce joli fantôme de mousseline?
Au contraire, il sera le berceau de ma chance. Ma chance y grandira près de notre amour, jusqu'à ce qu'il serve notre premier fils. Alors... Mon pauvre adoré, tu meurs de fatigue et nous restons là, debout. Debout sur ce mur. Quel mur? Ce mur de ronde. Un mur! Ah, qu'y a-t-il? Eh bien, cette fois, c'est toi qui rêves. Nous dormons debout, ma pauvre chérie. J'ai dormi? J'ai parlé? Je te parle de mur de ronde, tu me parles du chien Fontaine. Voilà notre nuit de noces. Écoute, Jocaste, je te supplie. Mais tu m'écoutes? S'il m'arrive de m'endormir encore, je te supplie de me secouer, de me réveiller. Si tu t'endors, je ferai de même. Il ne faut pas que cette nuit unique sombre dans le sommeil. Ce serait trop triste. Vous bien aimé, pourquoi? Nous avons toute la vie. C'est possible, mais je ne veux pas que le sommeil me gâche le prodige de passer cette nuit de fête profondément seul avec toi. Je propose d'ôter ces étoffes si lourdes. Et puisque nous n'attendons personne... Écoute, mon garçon chéri, tu vas te fâcher. Oh, Jocaste, ne me dis pas qu'il reste encore quelque chose d'officiel au programme. Pendant que mes femmes me coiffent, l'étiquette exige que tu reçoives une visite. Une visite? À des heures pareilles? Une visite de pure forme. Dans cette chambre? Dans cette chambre. Et de qui, cette visite? Ne te fâche pas. De Tirésias. Tirésias, je refuse. Non, c'est le comble. Tirésias dans le rôle de la famille qui prodigue les derniers conseils. Laisse-moi rire et refuser la visite de Tirésias. Mon petit fou, je te le demande. C'est une vieille coutume de Thèbes que le grand prêtre consacre en quelque sorte à l'union des souverains. C'est égal. En pleine nuit. Fais-le. Fais-le pour nous et pour l'avenir, c'est capital. Vois-le 5 minutes, mais vois-le. Écoute-le. Je te le demande. Ah, je te préviens que je ne le laisserai pas s'asseoir. Je t'aime. Je ne serai pas long. Je vais le faire prévenir que la place est libre. Patience. Fais-le pour moi. Pense à moi. Je vous écoute. Monseigneur, qui vous dit que je vous réserve un sermon? Personne, Tirésias, personne. Simplement, je ne suppose pas qu'il vous soit agréable de jouer les troubles faits. Sans doute attendez-vous que je feigne d'avoir reçu vos conseils. Je m'inclinerai, vous me bénirez, et nous nous donnerons la collade. Notre fatigue y trouvera son compte en même temps que les usages. Ai-je deviné juste? Peut-être est-il exact qu'il y ait à la base de cette démarche comme une coutume. Mais il y faudrait un mariage royal, avec tout ce que cela comporte de dynastique, de mécanique et, vous l'avouerai-je, de fastidieux. Non, monseigneur, les événements imprévisibles nous mettent en face de problèmes et de devoirs nouveaux. Et vous conviendrez que votre mariage, que votre sac, sont des événements qu'il est difficile de classer, de ranger dans un code. On ne saurait dire avec plus de grâce que je tombe sur la tête de Thèbes comme une tuile tombe d'un toit. Monseigneur. Apprenez que tout ce qui se classe empeste la mort. Il faut se déclasser, Tirésias. Sortir du rang, c'est le signe des chefs-d'œuvre et des héros. Indéclassés, voilà ce qui étonne et ce qui règne. Soit. Admettez alors qu'en assumant un rôle qui déborde le protocole, je me déclasse à mon tour. Au but, Tirésias, au but. J'irai donc au but et parlerai en toute franchise. Monseigneur, les présages vous sont funestes. Très funeste. Je devais vous mettre en garde. Parbleu, je m'y attendais, le contraire m'eût étonné. Ce n'est pas la première fois que les oracles s'acharnent contre moi et que mon audace les déjoue. Croyez-vous qu'on puisse les déjouer? J'en suis la preuve. Et même si mon mariage dérange les dieux, que faites-vous de vos promesses, de votre délivrance, de la mort du sphinx?
Et pourquoi les dieux m'ont-ils poussé jusqu'à cette chambre si ces noces leur déplaisent? Prétendez-vous résoudre en une minute le problème du libre arbitre? Hélas, hélas, le pouvoir vous grise. Le pouvoir vous échappe. Vous parlez au pontife. Prenez garde. Prenez garde, pontife. Dois-je vous faire souvenir que vous parlez à votre roi? Au mari de ma reine, monseigneur. Jocaste m'a signifié tout à l'heure que son pouvoir passait absolu entre mes mains. Dites-le à votre maître. Je ne sers que les dieux. Enfin, si vous préférez cette formule à celui qui guette votre retour. Jeunesse bouillante. Vous m'avez mal compris. J'ai fort bien compris qu'un aventurier vous gêne. Sans doute espérez-vous que j'ai trouvé le sphinx mort sur ma route. Le vrai vainqueur a dû me le vendre, comme à ces chasseurs qui achètent le lièvre au braconnier. Et si j'ai payé la dépouille, que découvrirez-vous en fin de compte comme vainqueur du sphinx? Ce qui vous menaçait chaque minute et ce qui empêchait Créon de dormir. Un pauvre soldat de deuxième classe que la foule porterait en triomphe et qui réclamerait son dû! Il n'oserait pas! Ah, enfin je vous l'ai fait dire. Et voilà le mot de la farce. Les voilà vos belles promesses. Voilà donc sur quoi vous comptiez. La reine n'est plus que ma propre fille. Je dois veiller sur elle, la protéger. Elle est faible, crédule, romanesque. Vous l'insultez, ma parole. Je l'aime. Elle n'a plus besoin désormais que de mon amour. C'est au sujet de cet amour, Édipe, que j'exige une explication. Aimez-vous la reine? De toute mon âme. Non, j'entends. Aimez-vous la tenir dans vos bras? J'aime surtout qu'elle me prenne dans les siens. Je vous sais gré de cette franchise. Vous êtes jeune, Édipe. Très jeune. Jocaste pourrait être votre mère. Je sais, vous allez me répondre. Je vais vous répondre que j'ai toujours rêvé d'un amour de ce genre. D'un amour presque maternel. Édipe. Ne confondez-vous pas la gloire et l'amour? Aimeriez-vous Jocaste si elle ne régnait pas? Question stupide, 100 fois posée. Jocaste m'aimerait-elle si j'étais vieux, laid, si je ne sortais pas de l'inconnu? Croyez-vous qu'on puisse prendre le mal d'amour en touchant l'or et la pourpre? Les privilèges dont vous parlez ne sont-ils pas la substance même de Jocaste? Et si étroitement enchevêtré à ses organes qu'on ne puisse les désunir? De toute éternité, nous appartenions l'un à l'autre. C'est ma femme, c'est ma reine. Auprès d'elle, il me semble que j'occupe enfin ma vraie place. Je l'aime, je l'adore, Tirésias. Je l'ai, je la garde, je la retrouve. Et ni par les prières, ni par les menaces, vous n'obtiendrez que j'obéisse à des ordres venus je ne sais d'où. Réfléchissez encore, Édipe. Les présages et ma propre sagesse me donnent tout à craindre de ces noces extravagantes. Réfléchissez. Ce serait un peu tard. Avez-vous l'expérience des femmes? Pas la moindre. Et même, je vais pousser votre surprise à son comble et me couvrir de ridicule à vos yeux. Je suis vierge. Vous? Le pontife d'une capitale s'étonne qu'un jeune campagnard mette son orgueil à se garder pur pour une offrande unique. Vous eussiez préféré pour la reine un prince dégénéré, un pantin, dont Créon et les prêtres tireraient les ficelles. Ça trop. Une fois encore, je vous ordonne. Ordonne? Oh, l'orgueil vous rend fou. Ne me mettez pas en colère. Je suis à bout de patience, irascible, et capable de n'importe quel acte irréfléchi. Orgueilleux, faible et orgueilleux. Vous l'aurez voulu! Mais lâchez-moi, n'avez-vous pas honte? Vous craignez que sur votre face, là, de tout près, et dans vos yeux d'aveugle, je lise la vraie vérité de votre conduite. Assassin, sacrilège! Assassin! Je devrais l'être. J'aurais peut-être un jour à me repentir d'un respect absurde, et si j'osais... Dieu. Ici... Dans ces yeux d'aveugle, je ne savais pas que ce fût possible. Lâchez-moi, brut! L'avenir, mon avenir, comme dans une boule de cristal. Vous vous repentirez. Je vois. Tu as menti, devin.
J'épouserai Jocaste. Une vie heureuse, riche, prospère. Deux fils, deux filles. Et Jocaste, toujours si belle, toujours la même. Une amoureuse, une mère dans un palais de bonheur. Je vois mal. Je vois mal. Je veux voir. C'est ta faute, devin. Je veux voir. Maudit. Sale bête. Oh, je suis aveugle. Il m'a lancé du poivre. Jocaste. Jocaste, au secours. Au secours. Je n'ai rien lancé. Je le jure. Vous êtes puni de votre sacrilège. Tu mens. Vous avez voulu voir dans mes yeux malades ce que moi-même je n'ai pu déchiffrer encore. Vous êtes puni. De l'eau, vite. Je brûle. Là, là. Calmez-vous. Je vous pardonne. Non. Sans doute êtes-vous parvenu à un point que les dieux veulent garder secret, ou bien vous punissent-ils de votre impudence? J'y vois un peu, on dirait. Souffrez-vous? Moi. La douleur se calme. Oh, c'était du feu, du poivre rouge. 1000 épingles, une patte de chat qui me fouille à l'œil. Voyez-vous? Mal, mais je vois. Je vois. Oh. J'ai bien cru que j'étais aveugle. Et que c'était un tour de votre façon. Je l'avais mérité, du reste. Tirésias, je vous dois en quelque sorte une revanche, un aveu qui m'est dur et que je m'étais promis de ne faire à personne. Un aveu? Ouvrez vos oreilles, Tirésias. Je ne suis pas un vagabond. J'arrive de Corinthe. Je suis l'enfant unique du roi Polybe et de la reine Mérope. Un inconnu ne souillera pas cette couche. Je suis roi et fils de roi. Monseigneur, je m'excuse. Il était si simple de dissiper d'une phrase le malaise de votre incognito. Ma petite fille sera si contente. Je vous demande en grâce de sauvegarder au moins cette dernière nuit. Jocaste aime encore en moi le vagabond tombé du ciel. Le jeune homme surgit de l'ombre. Demain, hélas, on aura vite fait de détruire ce mirage. Entre-temps, je souhaite que la reine me devienne assez soumise pour apprendre sans dégoût qu'Édipe n'est pas un prince de lune, mais un pauvre prince tout court. Je vous souhaite le bonsoir, Tirésias. Jocaste ne tardera plus. Je tombe de fatigue et nous voulons rester tête à tête. C'est notre bon plaisir. Monseigneur, je m'excuse. Un dernier mot. Plaît-il? Pardonnez mon audace, mais tout à l'heure, à la fermeture du temple, une belle jeune fille entra dans l'oratoire où je travaille et me tendit cette ceinture en me disant « Remettez-la au seigneur Édipe et répétez-lui textuellement cette phrase. Prenez cette ceinture, elle vous permettra de venir jusqu'à moi lorsque j'aurai tué la bête. » À peine avais-je empoché la ceinture que la jeune fille éclata de rire et disparut sans que je puisse savoir par où. Et c'était votre dernière carte! Déjà, vous échafaudiez tout un système pour me perdre dans le cœur et dans l'esprit de la reine. Que sais-je? Une jeune fille qui se venge! Le scandale du temple est l'objet révélateur! Je m'acquitte d'une commission, voilà tout. Faute de calcul, méchante politique! Allez, portez en hâte ces mauvaises nouvelles au prince Créon. Il comptait me faire peur. Et c'est moi qui vous fais peur, en vérité, Tirésias. Moi qui vous effraie. L'enfant n'était pas si facile à terroriser. Dites que c'est l'enfant qui vous effraie, grand-père. Avouez!
Avouez donc, grand-père! Avouez que je vous fais peur! Oui. Très peur. Édipe! Édipe! Vous poursuivez une gloire classique. Il en existe une autre. La gloire obscure. C'est la dernière ressource des orgueilleux qui s'obstinent contre les astres. Eh bien, qu'a dit le croque-mitaine? Il a dû te torturer. Non. C'est un monstre. Il a dû te démontrer que tu étais trop jeune pour moi. Tu es belle, Jocaste. J'étais vieille. Il m'a plutôt laissé entendre que j'aimais tes perles, ton diadème. Toujours abîmer tout, gâcher tout, faire du mal. Il n'a pas réussi à m'effrayer, sois tranquille. Au contraire, c'est moi qui l'effraie. Il en a convenu. C'est bien fait, mon amour. Toi, mes perles, mon diadème. Je suis heureux de te revoir. Sans aucune pompe, sans tes bijoux, sans tes ordres. Simple, blanche, jeune, belle, dans notre chambre d'amour. Jeune, Édipe, il ne faut pas de mensonges. Encore. Ne me gronde pas. Si, je te gronde. Je te gronde parce qu'une femme telle que toi devrait être au-dessus de ses bêtises. Le visage d'une jeune fille, c'est l'ennui d'une page blanche où mes yeux ne peuvent rien lire d'émouvant. Tandis que ton visage, il me faut les cicatrices, les tatouages du destin. Une beauté qui sorte des tempêtes. Tu redoutes la patte d'oie, Jocaste. Que vaudrait un regard, un sourire de petit oie auprès de ton visage étonnant, sacré, giflé par le sort, marqué par le bourreau, tendre, tendre et... Jocaste, ma petite fille, tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Allons, bon. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Jocaste. Suis-je donc si vieille? Si vieille? Chère folle, mais c'est toi qui t'acharnes. Les femmes disent ces choses pour qu'on les contredise. Elles espèrent toujours que ce n'est pas vrai. Ma Jocaste, allons, calme-toi. Embrasse-moi. Mais j'ai voulu dire... Laisse, je suis grotesque. C'est ma faute. Ce n'est pas ta faute. Là, j'ai du noir dans l'œil maintenant. C'est fini. Et vite, un sourire. Oh, écoute. Je suis nerveuse à cause de l'orage. Le ciel est si étoilé, si pur. Oui, mais il y a de l'orage quelque part. Quand la fontaine fait une espèce de bruit comme du silence et que j'ai mal à l'épaule, il y a de l'orage et des éclairs de chaleur. Viens. Viens vite. Édipe, viens une minute. Qu'y a-t-il? Le factionnaire. Regarde, penche-toi. Sur le banc à droite, il dort. Tu ne trouves pas qu'il est beau, ce garçon, avec sa bouche ouverte? Je vais lui apprendre à dormir en jetant de l'eau dans sa bouche ouverte. Édipe. On ne dort pas quand on garde sa reine. Le sphinx est mort et tu vis. Qu'il dorme en paix. Que toute la ville dorme en paix. Qu'ils dorment tous. Ce factionnaire a de la chance. Édipe, Édipe, j'aimerais te rendre jaloux, mais ce n'est pas cela. Ce jeune garde... Qu'a-t-il donc si particulier, ce jeune garde? Pendant la fameuse nuit, la nuit du Sphinx, pendant que tu rencontrais la bête, j'avais fait une escapade sur les remparts avec Tirésias. On m'avait dit qu'un soldat avait vu le spectre de Laïus, que Laïus m'appelait, voulait me prévenir d'un danger qui me menace. Eh bien, le soldat était justement cette sentinelle qui nous garde. Qui nous garde? Au reste, qu'il dorme en paix, bonne Jocaste. Je te garderai bien tout seul. Naturellement, pas le moindre spectre de Laïus. Pas le moindre, hélas. Le pauvre. Je lui touchais les épaules, les jambes. Je disais à Zizi, touche, touche. J'étais bouleversée parce qu'il te ressemblait. Et c'est vrai qu'il te ressemble, Edith. Tu dis, ce garde te ressemblait? Mais Jocaste, tu ne me connaissais pas encore. Il était impossible que tu saches, que tu devines. C'est vrai, ma foi. Sans doute ai-je voulu dire que mon fils aurait presque son âge. Oui, j'embrouille.
C'est seulement maintenant que cette ressemblance me saute aux yeux. Tu es bon. Tu es beau. Je t'aime. Édipe. Ma déesse. À Créon, à Zizi, à tous, j'approuve que tu refuses de raconter ta victoire. Mais à moi, à moi. J'avais ta promesse. Et sans ce garçon... Mais la Jocaste d'hier est-elle ta Jocaste de maintenant? N'ai-je pas le droit de partager tes souvenirs sans que personne d'autre s'en doute? Certes. Et souviens-toi, tu répétais, non, non, Jocaste, plus tard, lorsque nous serons dans notre chambre d'amour. Eh bien, sommes-nous dans notre chambre d'amour? Entêtée. Sorcière. Elle arrive toujours à ce qu'elle veut. Alors, ne bouge plus, je commence. Oh, Édipe, Édipe, quelle chance, quelle chance! Je ne bouge plus. Voilà. J'approchais de Thèbes. Je suivais le sentier de chèvres qui longe la colline au sud de la ville. Je pensais à l'avenir, à toi, que j'imaginais moins belle que tu n'es en réalité, mais très belle, très peinte, assise sur un trône au centre d'un groupe de dames d'honneur. Admettons que je le tue, pensais-je. Édipe oserait-il accepter la récompense promise? Oserais-je approcher la reine? Et je marchais, je me tourmentais, quand tout à coup je fis halte. Mon cœur sautait dans ma poitrine, je venais d'entendre une sorte de chant. La voix qui chantait n'était pas de ce monde. Était-ce le sphinx? Mon sac de route comptait un couteau, je glissais mon couteau sous ma tunique et je rampais. Connais-tu sur la colline les restes d'un petit temple, avec un socle et la croupe d'une chimère? Jocaste. Jocaste. Tu dors? Tu dormais. Mais non. Mais si. Voilà une petite fille capricieuse qui exige qu'on lui raconte des histoires et qui s'endort au lieu de les écouter. Mais j'ai tout entendu, tu te trompes. Tu parlais d'un sentier de chèvres. Ah, il était loin, le sentier de chèvres. Mon chéri, ne te vexe pas, tu m'en veux. Moi? Mais si, tu m'en veux, et c'est justice. Triple sotte, voilà l'âge et ses tours. Et moi alors, suis-je un vieillard? Ma tête tombe. Et c'est mon menton qui me réveille en heurtant ma poitrine. Ça, ce n'est pas pareil. C'est le marchand de sable, comme disent les petits. Mais moi, tu me commençais enfin la plus belle histoire du monde et je somnole comme une grand-mère au coin du feu. Et tu me puniras en ne recommençant plus, en trouvant des prétextes. J'ai parlé? Parlé, non. Je te croyais attentive. Méchant. As-tu donc des secrets que tu craignes de me révéler pendant ton sommeil? Je craignais simplement... ces phrases absurdes qu'il nous arrive de prononcer endormies. Tu reposais sage comme une image. À tout de suite, ma petite reine. À tout de suite, mon roi. Mon amour. Procure bien des avantages sur les garnements de Thèbes, et je ne crois pas que le monstre naïf s'attende à se trouver face à face avec l'élève des meilleurs lettrés de Corinthe. Mais si vous m'avez joué un tour, je vous tirerai par les cheveux, je vous tirerai par les cheveux, je vous tirerai par les cheveux, je vous pincerai jusqu'au sang, je vous pincerai jusqu'au sang. Non! Pas cette patte immonde! Je compte jusqu'à 50.
1, 2, 3, 4, 8, 7, 9, 10, 10, 11, 14, 5, 2, 4, 8, 7, 15, 15, 15, 15, 3, 4. Et la nuit s'élancerait, il ouvrirait ses mâchoires de loup. Alred, au secours, venez tous, à moi. Qu'y a-t-il? Aidez, Frangélie, je dormais comme une masse, réveille-toi. Oh, madame, non, grâce, madame, non, madame. Oh, petit, ne m'angoisse pas, c'est un rêve, c'est moi, Jocaste, ta femme, Jocaste. Non. Quelle horreur. Où étais-je? Ah, c'est toi, Jocaste. Quel cauchemar horrible. Lala, c'est fini. Tu es dans notre chambre, dans mes bras. Tu n'as rien vu? Ah, c'est vrai, je suis stupide. C'était cette peau de bête. Oh. J'ai dû parler. De quoi ai-je parlé? À ton tour, tu criais. Madame, non, madame, non, madame, grâce, madame. Quelle était cette méchante dame? Je ne me souviens plus. Oh, quelle nuit. Et moi, tes cris m'ont sauvé d'un cauchemar sans nom. Regarde, tu es trempé, inondé de sueur. C'est ma faute. Je t'ai laissé t'endormir avec ces étoffes lourdes, ces colliers d'or, ces agrafes, ces sandales qui coupent les chevilles. Allons, quel gros bébé. Ne te fais pas lourd. Aide-moi. Oui, ma petite mère chérie. Oui, ma petite mère chérie. Quel enfant. Voilà qu'il me prend pour sa mère. Lève ta jambe gauche. Et ta jambe droite. Ah! Tu t'es fait mal? Non. Ah, mes cicatrices! Je ne les croyais pas si laides. Ma pauvre chérie, tu as eu peur. C'est trop, d'où viennent-ils? Ils ne peuvent témoigner que des blessures si graves. Blessures de chasse, paraît-il. J'étais dans les bois, ma nourrice me portait, quand tout à coup un sanglier débouche d'un massif et la charge. Elle a perdu la tête, m'a lâché, je suis tombé. Et un bûcheron a tué l'animal pendant qu'il me labourait à coups de boutoir. C'est vrai! Mais pâle comme une morte, ma chérie! Ma chérie! Allons. Ah, j'aurais dû te prévenir. J'ai tellement l'habitude, moi, de ces trous affreux. Je ne te savais pas si sensible. Ce n'est rien. La fatigue, la somnolence nous mettent dans cet état de vague terreur. Tu sortais d'un mauvais rêve. Non, Oedipe, non. En réalité, ces cicatrices me rappellent quelque chose que j'essaye toujours d'oublier. Je n'ai pas de chance. Tu ne pouvais pas savoir. Il s'agit d'une femme. Ma sœur de lait, ma lingère. Au même âge que moi, à 18 ans, elle était enceinte. Elle vénérait son mari malgré la grande différence d'âge et voulait un fils. Mais les oracles prédirent à l'enfant un avenir tellement atroce qu'après avoir accouché d'un fils, elle n'eut pas le courage de le laisser vivre. Hein? Attends. Imagine la force qu'il faut à une malheureuse pour supprimer la vie de sa vie. Le fils de son ventre, son idéal sur la terre, l'amour de ses amours. Et que fit cette dame? La mort au cœur, elle troua les pieds du nourrisson, les lia, le porta en cachette sur une montagne, l'abandonna au Louvre et aux ours. Et le mari? Tous crurent que l'enfant était mort de mort naturelle et que la mère l'avait enterré de ses propres mains. Et cette dame existe? Elle est morte. Tant mieux pour elle. Car mon premier exemple d'autorité royale aurait été de lui infliger publiquement les pires supplices. Et après quoi, de la faire mettre à mort? Les oracles étaient formels.
une femme se trouve si stupide, si faible en face d'eux. Tuer ! Ce n'est pas indigne de tuer lorsque le réflexe de défense nous emporte, lorsque le mauvais hasard s'en mêle. Mais tuer lâchement, froidement, la chair de sa chair, rompre la chaîne, tricher au jeu. Aidez, parlons d'autre chose. Ta petite figure furieuse me fait trop de mal. Parlons d'autre chose. Je risquerais de t'aimer moins si tu essaies de défendre cette chienne de malheur. Édipe, Édipe, les sourcils ne peuvent-ils pas se détendre un peu et les yeux se fermer doucement et la bouche servir à des caresses plus douces que la parole? Tu as raison, je suis impossible. Calme cette bouche bavarde avec ta bouche. Ses yeux fébriles avec tes doigts. On permet. Je ferme la grille. Je n'aime pas savoir cette grille ouverte la nuit. J'y vais. Nous restons tendus. J'irai aussi jeter un coup d'œil au miroir. Voulez-vous embrasser une mégère? Après toutes ces émotions, les dieux seuls savent comment je dois être faite. Ne m'intimide pas. Ne me regarde pas. Retournez-vous, Edith. Je me retourne. Voilà. Je ferme les yeux. Je n'existe plus. Le petit soldat dort toujours à moitié nu. Et il ne fait pas chaud, le pauvre. La politique! La politique, si c'est pas malheureux. Parlez-moi de la politique. Oh, tiens, un mot. Pardon, excuse. Un soldat endormi. Salut, militaire. Salut à l'armée endormie. C'est une honte. Une honte. Édipe, mon chéri. Édipe, Édipe. Il y a un ivrogne et la sentinelle ne l'entend pas. Je déteste les ivrognes. Je voudrais qu'on le chasse, qu'on réveille le soldat. Édipe, Édipe, je t'en supplie. Je dévide, je déroule, je calcule, je médite, je tresse, je vanne, je tricote, je nade, je croise. Qu'est-ce qu'il raconte? Comme il dort. Je pourrais mourir, il ne s'en apercevrait pas. La politique! Madame, madame, que prétendez-vous? Madame, madame, que prétendez-vous? Votre époux est trop jeune, bien trop jeune pour vous. Oh, les monstres! Si j'étais la politique, je dirais à la reine. Madame, un junior ne vous convient pas. Prenez un mari sérieux, sobre, solide. Un mari comme moi. Circulez. Salut à l'armée réveillée. Circulez vite, hein. Madame, madame. Dors, mon petit. Dors. 17 ans passaient vite. La grande peste de Thèbes a l'air d'être le premier échec à cette fameuse chance d'Édipe. Car les dieux ont voulu, pour le fonctionnement de leur machine infernale, que toutes les malchances surgissent sous le déguisement de la chance. Après les faux bonheurs, le roi va connaître le vrai malheur, le vrai sacre qui fait de ce roi de jeu de cartes entre les mains des dieux cruels, enfin un homme. En quoi suis-je encore scandaleux, Tirésias ? Comme toujours, vous amplifiez les termes.
Je trouve, et je répète, qu'il convient peut-être d'accueillir la mort d'un père avec moins de joie. Vraiment ? N'aie pas peur, petit. Raconte. De quoi Polybe est-il mort ? Mérope est-elle très, très malheureuse ? Seigneur Édipe, le roi Polybe est mort de vieillesse. Et la reine, sa femme, est presque inconsciente. Son âge l'empêche même de bien envisager son malheur. Jocaste ! Jocaste ! Qu'y a-t-il ? Tu es pâle, ne te sens-tu pas bien ? La peste, la chaleur, les visites aux hospices, toutes ces choses m'épuisent, je l'avoue. Je me reposais sur mon lit. Ce messager m'apporte une grande nouvelle, et qui valait la peine que je te dérange. Une bonne nouvelle ? Tirésias me reproche de la trouver bonne. Mon père est mort ! Édipe ! L'oracle m'avait dit que je serais son assassin et l'époux de ma mère. Pauvre Mérope. Elle est bien vieille, et mon père Polybe meurt de sa bonne mort. La mort d'un père n'est jamais chose heureuse que je sache. Déteste la comédie et les larmes de convention. Pour être vrai, j'ai quitté père et mère trop jeune et mon cœur s'est détaché d'eux. Seigneur Édipe, si j'osais... Il faut oser, mon garçon. Votre indifférence n'est pas de l'indifférence. Je peux vous éclairer sur elle. Voilà du nouveau. J'aurais dû commencer par la fin. À son lit de mort, le roi de Corinthe m'a chargé de vous apprendre que vous n'étiez que son fils adoptif. Quoi ? Mon père, un berger de Polybe, vous trouva jadis sur une colline, exposé aux bêtes féroces. Il était pauvre. Il porta sa trouvaille à la reine qui pleurait de n'avoir pas d'enfant. C'est ce qui me vaut l'honneur de cette mission extraordinaire à la cour de Thèbes. Ce jeune homme doit être épuisé par sa course. Et il a traversé notre ville pleine de miasmes impurs. Ne vaudrait-il pas mieux qu'il se repose, qu'il se rafraîchisse ? Vous l'interrogeriez après. Vous voulez que le supplice dure, Tirésias ? Vous croyez que mon univers s'écroule ? Vous me connaissez mal. Ne vous réjouissez pas trop vite. Peut-être suis-je heureux, moi, d'être un fils de la chance. Je voulais vous mettre en garde contre votre habitude néfaste d'interroger, de savoir, de comprendre tout. Parbleu, que je sois fils des muses ou d'un vagabond, j'interrogerai sans crainte. Je saurai les choses. Édipe, mon amour, il a raison. Tu t'exaltes, tu crois tout ce qu'on te raconte, et après... Par exemple, c'est le comble. Je reçois sans broncher les coups les plus rudes, et chacun se ligue pour que j'en reste là, et que je ne cherche pas à connaître mes origines. Personne ne se ligue, mon chéri, mais je te connais. Tu te trompes, Jocaste. On ne me connaît plus, ni toi, ni moi, ni personne. Ne tremble pas, petit. Parle encore. Je ne sais rien d'autre, seigneur Édipe, sinon que mon père vous délia presque mort, pendu par vos pieds blessés à une courte branche. Les voilà donc, ces belles cicatrices. Édipe, remonte. On croirait que tu aimes fouiller tes plaies avec un couteau. Voilà donc mes langes et mon histoire de chasse, fausse. Comme tant d'autres. Eh bien, ma foi, il se peut que je sois né d'un dieu sylvestre et d'une dryade, et nourri par des louves. Ne vous réjouissez pas trop vite, Tirésias. Vous êtes injuste. Au reste, je n'ai pas tué Polybe. Mais j'y songe. J'ai tué un homme. Toi ? Moi ? Oui, j'ai tué, devin. Mais le parricide, il faut y renoncer d'office. Pendant une rixe avec des serviteurs, j'ai tué un vieillard qui voyageait au carrefour de Doli et de Delphes. Au carrefour de Doli et de Delphes. Voilà de quoi fabriquer une magnifique catastrophe. Ce voyageur devait être mon père, ciel, mon père. Mais l'inceste sera moins commode, messieurs.
Qu'en penses-tu, Jocaste? Parfait. 17 années de bonheur, de règne sans tache. Deux fils, deux filles. Et il suffit que cette noble dame apprenne que je suis l'inconnu qu'elle aima d'abord pour me tourner le dos. Quelle boude! Quelle boude! Je resterai donc tête à tête avec mon destin. Édipe, ta femme est malade. La peste nous démoralise tous. Les dieux punissent la ville et veulent une victime. Un monstre se cache parmi nous. Ils exigent qu'on le découvre et qu'on le chasse. Chaque jour, la police échoue et les cadavres encombrent les rues. Te rends-tu compte des efforts que tu exiges de Jocaste? Te rends-tu compte que tu es un homme et qu'elle est une femme âgée, une mère inquiète de la contagion? Avant de reprocher à Jocaste un geste d'humeur, tu pourrais lui trouver des excuses. Je te sens venir, beau frère. La victime idéale, le monstre qui se cache. De coïncidence en coïncidence, ce serait du beau travail, avec l'aide des prêtres et de la police, d'arriver à embrouiller le peuple de Thèbes et à lui laisser croire que c'est moi. Vous êtes absurde. Je vous crois capable du pire, mon ami. Mais Jocaste, c'est autre chose. Son attitude m'étonne. Jocaste! Jocaste, où es-tu? Ses nerfs semblaient à bout. Elle se repose. Laissez-la tranquille. Elle, je vais! Au fait, les pieds troués, liés sur la montagne, comment n'ai-je pas deviné tout de suite? Et moi qui me demandais pourquoi Jocaste? Dur de renoncer aux énigmes. Messieurs, je n'étais pas le fils d'une dryade. Je vous présente le fils d'une lingère. Un enfant du peuple, un produit de chez vous. Quel est ce conte? Pauvre, pauvre Jocaste. Sans le savoir, je lui ai dit un jour ce que je pensais de ma mère. Je comprends tout maintenant, elle doit être terrifiée. Désespéré. Attendez-moi. Il est capital que je l'interroge, que rien ne reste dans l'ombre, que cette mauvaise farce prenne fin. Il est fou, quelle est cette histoire? Ne bougez pas. Un orage arrive du fond des siècles. La foudre vise cet homme et je vous demande, Créon, de laisser la foudre suivre ses caprices. D'attendre immobile, de ne vous mêler de rien. Vous m'avez tué. Tué? Vous me l'avez tué. Elle est là, pendue, pendue à son écharpe. Elle est morte, messieurs. Elle est morte. C'est fini. Fini. Morte! Restez! Le prêtre vous l'ordonne. C'est inhumain, je le sais, mais le cercle se ferme. Nous devons nous taire et rester là. Vous n'empêcherez pas son frère! Si, j'empêcherai. Laissez la fable tranquille. Ne vous en mêlez pas. Vous me l'avez tué! Elle était romanesque, faible, malade. Vous m'avez poussé à dire que j'étais un assassin. Qui ai-je assassiné, messieurs? Je vous le demande! Par maladresse, par simple maladresse. Un vieillard sur la route, un inconnu. Édipe, vous avez assassiné par maladresse l'époux de Jocaste, le roi Laïus. Misérable. Votre complot continue, mes yeux s'ouvrent. C'était pire encore que je ne le croyais. Vous avez insinué à ma pauvre Jocaste que j'étais l'assassin de Laïus, que j'avais tué le roi pour la rendre libre, pour devenir son époux. Vous avez assassiné l'époux de Jocaste, Édipe, le roi Laïus. Je le savais depuis longtemps.
Et vous mentez. Ni à vous, ni à elle, ni à Créon, ni à personne, je ne l'ai dit. Voilà comment vous reconnaissez mon silence. Laïus. Alors voilà. Le fils de Laïus et de la lingère. Le fils de la sœur de lait de Jocaste et de Laïus. Si vous voulez agir, ne tardez pas. La dureté même a des limites. Édipe, ma sœur est morte par votre faute. Je ne me taisais que pour préserver Jocaste. Il me semble inutile de prolonger outre mesure de fausses ténèbres, le dénouement d'un drame abject dont j'ai fini par découvrir l'intrigue. L'intrigue ? Les secrets les plus secrets se livrent un jour à celui qui les cherche. L'homme intègre qui jure le silence, parle à sa femme, qui parle à une amie intime, et ainsi de suite. Entre, berger. Quel est cet homme ? L'homme qui t'a porté, blessé, lié sur la montagne, d'après les ordres de ta mère. Qu'il avoue. Parler m'aurait valu la mort. Prince, que ne suis-je mort afin de ne pas connaître cette minute. De qui suis-je le fils, bonhomme ? Frappe, frappe vite. Hélas, je suis près d'une chose impossible à entendre. Et moi, d'une chose impossible à dire. Il faut la dire, je le veux. Tu es le fils de Jocaste, ta femme, et de Laïus, tué par toi au carrefour des trois routes. Inceste et parricide, les dieux te pardonnent. J'ai tuer celui qu'il ne fallait pas. J'ai épousé celle qu'il ne fallait pas. J'ai perpétué ce qu'il ne fallait pas. Lumière est faite. De quelle lingère, de quelle sœur de lait parlait-il ? Les femmes ne peuvent garder le secret. Jocaste a dû mettre son crime sur le compte d'une de ses servantes pour tâter le terrain. Ah ! Oh mon nom, Tirésias ! Montez vite, vite ! Oh, c'est affreux ! Oh, j'ai entendu crier dans la chambre ! Petite mère ne bouge plus ! Elle est tombée de tout son long, et le petit père se roule sur elle, et il se découpe dans les yeux avec sa grosse broche en or. Oh, il y a plein de sang partout. Oh, j'ai peur, j'ai trop peur. Montez vite, vite. Cette fois, personne ne m'empêchera. Restez. Je vous le dis, Créon, un chef-d'œuvre d'horreur s'achève. Pas un mot, pas un geste. Il serait malhonnête de poser une seule ombre de nous. C'est de la pure folie. C'est la pure sagesse. Impossible. Du reste, le pouvoir retombe entre mes mains. Oh.
Je deviens fou. Pourquoi tu fais cela? Mieux valait la mort. Son orgueil ne le trompe pas. Il a voulu être le plus heureux des hommes. Il veut maintenant être le plus malheureux. Qu'on me chasse! Qu'on m'achève! Qu'on me lapide! Qu'on abatte la bête immonde! Arrête, ne me touche pas! Antigone. Mon bâton d'augure, offre-le-lui de ma part. Il lui portera chance. Tiresias, t'offre son bâton. Il est là. J'accepte, Tiresias. J'accepte. Souvenez-vous, il y a 18 ans, j'ai vu dans vos yeux que je deviendrais aveugle. Et je n'ai pas su le comprendre. J'y vois clair, Tiresias. Mais je souffre. J'ai mal. La journée sera rude. Il est impossible qu'on le laisse traverser la ville. Ce serait un scandale épouvantable. Une ville de peste. Et puis, vous savez, il voyait le roi qu'Édipe voulait être. Ils ne verront point celui qu'il est. Vous prétendez qu'il deviendra invisible parce qu'il est aveugle? Presque. Eh bien, j'en ai assez de vos devinettes et de vos symboles. J'ai ma tête sur mes épaules, moi et mes pieds par terre. Je vais donner des ordres. Votre police est bien faite, Créon. Mais où cet homme se trouve, elle n'aurait pas le moindre pouvoir. Jocaste, toi, toi vivante! Non, Édipe, je suis morte. Tu me vois parce que tu es aveugle. Les autres ne peuvent plus me voir. Tiresias est aveugle? Peut-être me voit-il un peu, mais il m'aime. Il ne dira rien. Femme, ne me touche pas! Ta femme est morte pendue, Édipe. Je suis ta mère. C'est ta mère qui vient à ton aide. Comment ferais-tu rien que pour monter seul cet escalier, mon pauvre petit? Ma mère. Oui, mon enfant. Mon petit enfant. Si tu savais de l'endroit où j'habite. Si tu savais les choses qui paraissent abominables aux humains, si tu savais comme elles ont peu d'importance. Je suis encore sur la terre. À peine. Il parle avec des fantômes. Il a le délire, la fièvre. Je n'autoriserai pas cette petite... Ils sont sous bonne garde. Antigone! Antigone, je t'appelle! Je ne veux pas rester chez mon oncle, je ne veux pas. Je ne veux pas rester à la maison. Oh, petit père, ne me quitte pas. Je te conduirai, je te dirigerai. Nature ingrate. Impossible, Antigone. Tu dois être sage. Je ne peux pas t'emmener. Oh, si, si. Tu abandonnerais Ismène. Elle doit rester auprès des Théocles et de Polynice. Emmène-moi, je t'en supplie, je t'en supplie. Oh, ne me laisse pas seule, ne me laisse pas chez mon oncle, ne me laisse pas à la maison. La petite est si fière. Elle s'imagine être ton guide. Il faut le lui laisser croire. Emmène-la. Je me charge de tout. Tu as mal. Oui. Dans la tête, et dans la nuque, et dans les bras. C'est atroce. Je te pincerai à la fontaine. Mère. Crois-tu? Cette méchante écharpe et cette affreuse broche, l'avais-je assez prédit? C'est impossible. Je ne laisserai pas un fou sortir en liberté avec Antigone. J'ai le devoir. Le devoir? Ils ne t'appartiennent plus. Et à qui appartiendrait-il? Au peuple. Au poète.
au cœur pur. En route. Empoigne ma robe solidement. N'aie pas peur. Viens, petit père, partons vite. Où commencent les marches? Il y a encore toute la plateforme. En admettant qu'ils sortent de la ville, qui s'en chargera? Qui les recueillera? La gloire. Dites plutôt le déshonneur, la honte. Qui sait?